event. Soir de coupe avec Olivier Dacour, bien sûr. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment ça va Olivier ? Ça va bien, merci. On a vu cette photo qui orne les murs ici dans les entrailles du stade Félix Bollaert. Quel souvenir Olivier, vous, ancien joueur sans erreur, c'était la saison 99-2000, ouais. Il y a 13 ans. Quel souvenir vous avez parce qu'il y avait eu une super performance en Coupe d'Europe. Ouais, on avait fait une demi-finale de Coupe de l'UEFA à l'époque et on avait fini 5e. Vous vous souvenez des clubs éliminés pendant cette C3 dans oui, l'ordre, Dans l'ordre, il y avait un club israélien. Après, je crois qu'il y avait eu Kaiserslautern. Joli. Vitesse Arnhem, Celta Vigo, Atlético de Madrid et Arsenal. Au 7e tour, c'était contre les Lilas. Ensuite, il y a une victoire contre Armentières. Avant une victoire contre le Stade Rennais de Buzyn, ici même à Bollaert en 32e de finale. Et puis ensuite, il y a eu Obuska en Gironde, une qualification contre le Stade Bordelais. C'est bien Olivier, c'est bien qu'après cette défaite à Monaco en Ligue 2, où on sent que Lens a dit au revoir au podium. Ça va être difficile de retrouver la Ligue 1, donc la Coupe de France, c'est, je ne sais pas si c'est un objectif pour le club, mais ils vont essayer d'aller le plus loin possible. Parce que ça me paraît compromis cette montée. Ce Lens New Look, Olivier, allez, on va dire avec les anciens, des joueurs que vous avez bien connus, avec Eric Sikora, j'ai plus connu les anciens, le staff technique, avec Sico et Larouille, Didier Sénac. Pourquoi Larouille ? Je ne sais pas, peut-être que ça fait tellement longtemps qu'il a rouillé, mais aucune idée. C'est ceux qui sont aussi qui font partie du club, qui travaillent au quotidien au club. Il y en a de moins en moins, mais c'est un club qui a beaucoup changé. Est-ce que ça peut être un objectif, cette Coupe de France, pour le Racing Club de Lens, messieurs ? Bien sûr que c'est un objectif. Bonsoir Thomas, bonsoir Olivier. Ça devient un objectif puisque Lens est désormais, on peut le dire, distancé dans la course à la montée. Les Lensois ont 11 points de retard sur le podium. Ça va être compliqué en tout cas cette année, oui. Ça va être compliqué cette année, mais je pense que, comme le dit si bien Christophe, il reste encore quelques belles heures à écrire avant la fin de saison. Et c'est vrai qu'une qualification en quart de finale, recevoir un gros de Ligue 1 chez soi, ça peut permettre au club de bien finir et pourquoi pas attendre des nouveaux sponsors pour grandir et essayer de redémarrer ce grand club. Bonsoir à tous, bienvenue au Stade Bollaert pour le dernier 8e de finale de la Coupe de France. Épinal, club de National, après ses deux exploits en 32e et en 16e, veut réussir le triplé et veut éliminer Lens devant son public pour ce dernier 8e. Ouais, normalement ça serait un exploit effectivement d'arriver en quart de finale. La situation est difficile en championnat, on l'a dit tout à l'heure Christophe, mais on a entendu les joueurs d'Épinal. Notion de plaisir, avant tout notion de plaisir. Il y a des fondamentaux qui sont dictés par l'entraîneur, mais il y a cette notion de plaisir qu'il doit y avoir. S'il n'y a pas le plaisir et l'exploit à faire, surtout à Bollaert à l'extérieur dans un stade mythique, ça va être très difficile, mais ils sont capables. Une petite différence, Xavier. Épinal avait réussi deux exploits en 32e, en 16e contre Lyon et contre Nantes à domicile. À domicile, ça se passe à l'extérieur dans un stade mythique. Oui, c'est un stade mythique et surtout, ils sont surveillés. Quand on arrive à sortir Lyon, qui était à l'époque premier du championnat, plus Nantes, même si ça a été au tir au but, avec des prestations à domicile, les clubs comme Lens se méfient effectivement des petits qui arrivent sur Bollaert. Ça serait une déception pour Lens de ne pas passer.
Alors le dessin de d'Adou est très explicite. La Coupe de France avant la chute, non. Non, puisque Épinal effectivement est en position de relégable dans le championnat national avec 12 points de retard sur le premier non relégable, l'Uznac, mais Épinal a 3 matchs en retard et peut donc encore largement se sauver. Oui, c'est ce qu'on avait dit aussi quand on avait été du côté d'Épinal lors de la réception du Football Club de Nantes. Il est évident que c'est une situation qui peut, à la limite, les arranger en cas de qualification pour les quarts de finale. Ça peut garder une bouffée d'oxygène pour se dire, effectivement, on va essayer d'aller chercher le maintien. Mais ça va être compliqué. Quand on a beaucoup de matchs en retard, comme ça, il faut les gagner. Et pour l'instant, il vaut mieux penser à avoir l'esprit coupe ce soir pour réussir cet exploit. Alors, pour réussir un troisième exploit, Épinal s'apprête à disputer le premier huitième de finale de Coupe de France de son histoire et veut poursuivre l'aventure. Et bien, cette équipe de National va bien évidemment compter sur son gardien de but, Olivier Robin, qui a multiplié les exploits lors des séances de tir au but contre Lyon et contre Nantes. Olivier Robin, il était il y a quelques minutes au micro de Karine Galli. Olivier, racontez-nous un petit peu cette semaine de préparation avant ce huitième de finale de Coupe de France. On a préparé au mieux ce match qui est important aussi pour la suite de l'aventure en Coupe de France. Malgré les conditions climatiques qui ne sont pas forcément très bonnes, mais on a tout fait pour se préparer et venir se qualifier ici. J'imagine que vous avez emmagasiné beaucoup de confiance parce que vous avez sorti le tenant du titre Lyon et puis vous avez également sorti Nantes qui est un des gros cadors de la Ligue 2. Oui, c'est sûr. Je pense que la Coupe de France nous réussit cette année, au contraire du championnat. Maintenant, on est ici, c'est à Lens, ça reste un stade mythique, un club mythique. On sait que ça va être très difficile de se qualifier ici, mais on va tout faire pour se qualifier. Olivier, vous le savez, vous êtes un petit peu un des héros de cette Coupe de France. Vous ne voulez pas qu'on dise ça, mais en tout cas, vous avez permis à l'équipe, lors des deux derniers matchs, de se qualifier. Alors, vous êtes prêt encore ce soir à aller jusqu'au tir au but et à les arrêter? Jusqu'au tir au but, je ne sais pas. Maintenant, je pense que moi, comme toute l'équipe, on va tout faire, on va faire le maximum, prendre du plaisir aussi, parce que ça reste quand même important. C'est peut-être aussi l'ingrédient qui va faire en sorte qu'on fasse encore de grandes choses. Et puis après, bon, on verra, on va tout faire en tout cas pour se qualifier. Après, peu importe que ce soit après la prolongue, après les pénalties ou le temps réglementaire, on verra bien. Vous avez bien étudié cette équipe lensoise avec votre coach. Quels sont les éléments les plus dangereux de cette équipe lensoise? Bon, on a étudié. Maintenant, bon, c'est sûr, ils ont quelques éléments dangereux. Leur attaquant, leur milieu de terrain aussi qui marque pas mal de buts. Voire même un défenseur, Yaya, là, qui marque aussi pas mal de buts sur coup de pied arrêté. Maintenant, voilà, on va les prendre avec beaucoup de sérieux. Comme je vous l'ai dit, on va faire le maximum et puis après, on verra bien ce qui se passera. Merci beaucoup, Olivier. Très bon match. Merci. Olivier Robin qui va encore devoir sortir des exploits pour réussir l'exploit ici, car pour la première fois, les joueurs d'Épinal vont devoir se mesurer à un club hiérarchiquement supérieur, mais à l'extérieur. Et ça change beaucoup de choses. Ça change. On va rassurer tout le monde. Hein. On a enlevé la pancarte, ils ont le droit de marcher sur le terrain. Mais c'est vrai, le contexte est totalement différent. Maintenant, ils sont surveillés. Au vu de leurs exploits dans les tours précédents, il est évident qu'on regarde à notre œil cette équipe d'Épinal. Maintenant, un match de Coupe de France, et il faut le jouer à 90 minutes à fond et même 120 minutes. Mais le gardien de but d'Épinal, Olivier Robin, lui, attend son heure. C'est vrai que quand il est au niveau des tirs au but, il a une spécificité, c'est qu'il bouge énormément. Il est complètement atypique. Mais avant d'arriver à ce stade, il faut surtout montrer quelque chose dans un match et un cœur énorme. Les caméras de Fred Godard là, qui vont raccompagner les joueurs jusqu'au vestiaire. Le coup d'envoi de ce huitième de finale prévu à 20h50. Alors on a parlé d'Olivier Robin. Il faut bien évidemment parler également de l'attaquant d'Épinal, Famara Diédiou, qui a inscrit 6 buts depuis le début de l'aventure cette saison. 6 buts également en championnat. Lui aussi aura un rôle très important ce soir. Oui, il est évident, mais pour cette équipe d'Épinal, le plus important, c'est surtout pas de ne pas louper l'entame de match. Il est vrai que le premier quart d'heure est important. Je pense que les Lensois, devant leur public, vont vouloir montrer et imprégner un rythme très élevé d'entrée. Et c'est là la clé, elle est surtout ne pas louper son début de match. Allez, on va écouter la préparation, les dernières minutes avant le coup d'envoi de ce huitième de finale avec cette équipe du championnat national en difficulté dans son championnat 19e. Avant-dernier à 12 points du premier non relégable avec quand même 3 matchs en moins. Mais c'est vrai que cette Coupe de France, eh bien, ça devient au fil des tours un objectif important. Oui, un objectif qui, ils le savent, hein, cette année, dans cette édition 2013, 7 clubs de Ligue 1 sont encore en course pour les quarts de finale. Quel exploit si c'était Épinal qui passait pour les quarts de finale. Ça serait le seul club de National. Éliminer Lyon, éliminer Nantes, éliminer peut-être les Lensois. Ça ferait très sérieux sur le CV avant d'arriver en quart de finale, puisqu'ils recevraient chez eux les Girondins de Bordeaux.
Les Lensois, eux, n'ont pas vraiment le droit à l'erreur hein, devant leur public. Il faut passer ce tour, se qualifier pour les quarts de finale avant d'affronter, pourquoi pas, eh bien, les Girondins de Bordeaux. Et du côté Lensois, on va pouvoir compter sur Johan Tousgard, l'un des hommes en forme, touché au côtes lors du dernier match de championnat contre Monaco. Il peut tenir sa place ce soir à l'occasion de ce huitième de finale. On l'écoute au micro de Karine Galli. Bonsoir Johan, donnez-nous d'abord de vos nouvelles. Comment ça va depuis lundi soir à Monaco? Bonsoir, ça va un peu mieux. J'avais pris un coup à la côte et bon, on a fait le nécessaire pour que je puisse jouer ce soir. Et du coup, je suis content de participer à ce match. Oui, vous avez été strappé hein, au niveau de la hanche et au niveau du genou. C'est bien finalement de rejouer trois jours après, parce qu'il y a eu cette défaite contre Monaco. Au moins, ça vous permet de ne pas gamberger. Ouais, voilà, l'avantage de jouer trois jours après, c'est ça, surtout après une défaite. Maintenant, on a la chance de jouer chez nous un beau match et un beau match de coupe en espérant gagner pour aller le plus loin possible. Johan, la montée en Ligue 1, on va dire que c'est pratiquement cuit. Est-ce que cette Coupe de France est un véritable objectif maintenant pour les Lensois? Ouais, de toute façon, on avait à cœur de jouer sur les deux tableaux. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile au niveau du championnat. Voilà, donc on va tout donner pour essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France et ça passe par un match ce soir. Vous l'avez observé cette équipe d'Épinal, vous savez qu'il faut gagner avant les tirs au but parce qu'il y a un sacré client en face, c'est Robin qui excelle au niveau des tirs au but. C'est vrai qu'au niveau des tirs au but ils ont eu deux victoires face à Lyon et Nantes, mais voilà, on a la chance de jouer chez nous et on va essayer de gagner avant les prolongations parce qu'on a un match aussi lundi, mais s'il faut gagner après les prolongations, on le prend avec plaisir. Merci beaucoup Johan et très bon match. Xavier, on sent hein, dans les propos, dans l'attitude de Johan Tousgard, la pression elle est sur les épaules des Lensois ce soir. Elle est évidente, il est évident qu'ils savent qu'en championnat, bon, c'est une équipe qui joue bien, qui est pas mature encore parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais qui à mon avis l'année prochaine posera beaucoup de soucis s'ils arrivent à garder les meilleurs éléments et est renforcé par 2-3 joueurs des vieux briscards. Mais sur ce match là le problème ça sera de ne pas se faire éliminer devant son public, ça serait une catastrophe. Le Stade Bollard de Lens pour le dernier huitième de finale de la Coupe de France 2012-2013. Le Racing Club de Lens accueille le SA Épinal, le stade athlétique spinalien, club de national qui a réalisé deux exploits en 32e contre Lyon et en 16e de finale contre Nantes, avec à chaque fois des qualifications à l'issue de la séance des tirs au but. Les spinaliens, Xavier, veulent poursuivre l'aventure. Oui, on dit jamais 203, hein, espérons qu'il y aura des tirs au but et des heures heureuses pour ces spinaliens, mais en tout cas il faut s'attendre à un match certainement plus compliqué pour eux dans la gestion du stress, gestion de l'événement, gestion du stade. Et on va voir comment les hommes de Fabien Tissot vont réagir dans le premier quart d'heure. L'entrée des deux équipes sous la direction de Freddy Fautrel qui va arbitrer ce huitième de finale. Freddy Fautrel, il a déjà arbitré Lens cette saison. C'était lors de la troisième journée pour une victoire contre Le Havre 1-0. Les Lensois qui restent sur une défaite contre Monaco en championnat. Une défaite 2-1 au stade Louis II. Les Lensois désormais, on peut le dire, distancés dans la course à la montée avec 11 points de retard sur le podium. Eux veulent continuer la route dans cette Coupe de France et pourquoi pas s'offrir un joli quart de finale ici même contre les Girondins de Bordeaux. Ouais, des Lensois qui prônent du jeu hein, depuis l'arrivée d'Éric Sicora. On l'a vu, le public qui, juste avant l'entrée des joueurs, a scandé le nom d'Éric Sicora, une des vedettes, enfin, on va dire emblématique de ce club, et qui, après discussion, on en a discuté un petit peu avant la rencontre, est un peu frustré à chaque fois parce qu'ils ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire que c'était l'équipe jeune qui attaque beaucoup mais qui fait beaucoup d'erreurs, surtout dans les dernières minutes. Donc ce match-là est important pour eux. Et on va le voir sur cette composition d'équipe. Oui, avec l'absence des deux latéraux titulaires habituels, Zakaria Berdic qui souffre du ménisque et qui n'est pas présent, et Johan Desbon qui lui a été laissé au repos par Éric Sicora. Il y a des matchs importants à disputer, des matchs à venir, notamment contre Nantes lors de la prochaine journée.
l'échange de fanions entre les deux capitaines de cette rencontre. Et on va découvrir la composition spinalienne, composition sans surprise avec un seul absent. C'est Aliou Dembélé qui est suspendu. On retrouve bien évidemment au poste de gardien de but eh bien Olivier Robin qui a multiplié les exploits aux deux tours précédents. Oui, avec Sandy Payot juste devant lui et puis le célèbre, enfin moi depuis que je suis l'aventure et des spinaliens, c'est le, certainement l'un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés. Schuller qui avait fait beaucoup de mal au Nantais lors du tour précédent. Romain Schuller, le numéro 10 Schuller. De cette formation d'Épinal. Un pied gauche assez impressionnant et qui avait été vraiment sur tous les bons coups lors de la victoire contre le club du Nantais. Voilà. La poignée de main entre les deux entraîneurs, Fabien Tissot et Eric Sicora. Vous le disiez, Xavier, Eric Sicora, dont le nom a été scandé par les supporters du Stade Bollaert. Captain Sico, plus de 500 matchs avec cette équipe lensoise, désormais l'entraîneur. Et on va respecter une minute de silence en la mémoire de Maurice Denis, décédé à l'âge de 86 ans, ancien photographe, speaker du stade, rédacteur en chef du magazine Sang et Or. Ah, ça fait du bien d'avoir une minute de silence respectée dans un stade. Et on le sait ici, à Bollaert. Minute d'applaudissement. Ouais, minute d'applaudissement. Ambiance magnifique pour ce huitième de finale. Le dernier huitième de finale entre Lens, club de Ligue 2, actuel dixième du championnat, et Épinal, club de National, avant-dernier de son championnat avec trois matchs en retard. Quelle ambiance. Ça fait plaisir de revoir des couleurs dans les tribunes. Ce magnifique public qui attend qu'une seule chose. Bien sûr, comme tout le monde, la remontée de Lens. Il va falloir être patient et se donner 2-3 ans pour bien reconstruire et remettre des fondations solides dans ce club, parce qu'elle mérite vraiment de jouer à l'étage supérieur. Les Lensois ont donné le coup d'envoi avec un premier ballon pour Alaedine Niaya. Alexandre Coef. Ludovic Ball, premier ballon contré. Et une touche pour les Sang et Or. Mais c'est vrai qu'en ce début de rencontre, on a vu, il n'a pas changé, Fabien Tissot, l'entraîneur spinalien. Il était décontracté, il a fait sa causerie à l'hôtel, tranquille, tout était fait. On sentait une certaine sérénité. Donc, pas pris par l'ambiance et l'enjeu de ce match. Le premier ballon intéressant là pour Schuller, le numéro 10. Coef qui doit dégager loin et rendre ce ballon à l'adversaire. C'est récupéré dans l'entrejeu. Attention, la contre-attaque est lancée. Pas de faute. Une possibilité pour les Lensois dans le ballon récupéré par les Spinaliens avec Valentin Fauqui qui va tenter de déborder devant Ludovic Ball. Alexandre Coef, la relance sur Pierrick Valdivia qui marque énormément de buts très importants dans le système Lensois Valdivia. 10 buts déjà depuis le début de la saison. C'est le meilleur buteur de l'équipe. Allez. Attention à ce ballon récupéré par les Spinaliens avec Schuller. Une petite faute de Wilan Cyprien. Il faut alors prendre son temps, bien poser le jeu, bien quadriller le terrain de la part des Spinaliens. Et c'est surtout là, on va le voir,
Alors j'en ai parlé en début de rencontre, et là l'importance des coups de pied arrêtés avec un formidable tireur qui est Romain Schuller. Alors maintenant que j'ai dit formidable, parce qu'il a fait un match tellement exceptionnel contre Nantes, il va falloir s'appliquer. Oui, ça se frictionne un petit peu entre Diédiou, l'attaquant spinalien, et Aladin Yaya. Il y a ces deux mauvais bébés aussi, donc il va falloir qu'Aladin Yaya soit vigilant, parce que là, il a affaire à un bon buteur. Attention de ne pas se mettre en position d'hors-jeu. Romain Schuller qui est comme un rugbyman, hein, complètement décalé du ballon. Allez, Schuller qui va s'appliquer pour ce premier coup franc et la sortie parfaite de Rudy Riou. Belle prise de balle gênée sur son dégagement par Sandy Payot, l'ancien Lyonnais. Ouais, mais Rudy Riou qui a cherché tout de suite la bonne prise de balle qui fait du bien pour rassurer ses défenseurs. Il a voulu relancer très très vite. Valdivia. La transversale. Magnifique. Elle est réussie pour Jérémy Bella. Lemoigne. Alassane Touré. On recherche à nouveau Jérémy Bella dans la profondeur. Il y aura le dégagement de Mangan. Directement en touche. Et puis on a un garçon qui jouait encore il y a deux ans en national. Qui est Johan Tousgar, qui vraiment met des buts en ce moment. Des buts importants. Il fait du bien. Même s'il avait pris un coup aux côtes à Monaco. C'est un garçon qui est un vrai renard des surfaces, qui sent énormément bien l'espace dans cette surface de réparation, est un vrai buteur. Avec ce ballon contré de Demé Ndiaye, une nouvelle touche pour les Lensois. Il faut bouger, il faut que Tousgar vienne proposer quelque chose. Ndiaye avec Ludovic Ball en retrait pour Valdivia, Coef. Yaya. Ah, on cherche beaucoup à passer sur les extérieurs, sur les côtés, côté Lensois. Ouais. Est sorti là sur cette passe de Jérémy Bella. On alterne à droite, à gauche, on cherche des solutions. L'un des nombreux joueurs de l'effectif formé au club, Jérémy Bella, 19 ans. Oui, il y a quand même quelques très très bons jeunes dans cette formation lensoise. Le centre de formation a très bien. Attention, il n'est pas en jeu. Ballon, la sortie de Rio qui avait bien anticipé. C'est pour ça qu'il faut être patient. C'est vrai que si Lens arrive à garder ces quelques pépites qu'il a dans cet effectif, je pense que l'année prochaine, avec tous les matchs d'une saison de Ligue 2 derrière tous ces gamins, ça peut apporter des choses intéressantes. Ouais, Demé Ndiaye qui n'a pas attaqué le ballon. Il s'en sort bien là avec Coef. Et on retrouve Demé Ndiaye accroché par Michael Firmin. Là, c'est peut-être Valdivia qui est resté au sol. Il a pris un coup à la cheville au tibia, là, Pierrick Valdivia. On peut rappeler hein, le tirage au sort des quarts de finale qui a eu lieu chez nos confrères de France Télévisions hier. Le vainqueur de ce dernier huitième affrontera les Girondins de Bordeaux, ce sera soit Lens-Bordeaux, soit Épinal-Bordeaux. Troyes affrontera Nancy, Saint-Étienne accueillera Lorient à Geoffroy Guichard. Et le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse des Viandes au Longaillard. Enfin, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Christophe 7 sur les dernières années, d'avoir 7 clubs de Ligue 1 en quart de finale. Il y avait toujours une surprise ou un club de Ligue 2 qui se glissait ou même un petit poussé, encore plus bas que la Ligue 2, mais là. Cette édition, elle est vraiment réservée pour l'instant à la Ligue 1. La tête de Demé Ndiaye pour Johan Tousgar. L'un des premiers ballons pour l'attaquant lensois, l'une des grandes révélations de cette saison. Oui. Un ballon récupéré par les joueurs d'Épinal. Oh, attention, là, il peut y avoir une contre-attaque. Ça va vite. Allez, à gauche, s'il arrive à... Oh, il a le ballon. Ça passe pour Diédiou, qui va se contrôle. Présenter devant Rudy Riou. La sortie du gardien lensois, il a poussé un petit peu loin son ballon. Oh oui, il a surtout, à mon avis, loupé son contrôle, qu'il a amené son ballon vers l'extérieur. C'est dommage, parce que s'il arrive à rentrer plus intérieur, il se présente avec l'ouverture du but. Et on est déjà dans la moitié de terrain spinalienne avec Johan Tousgar.
Ballon en retrait pour Willian Cyprien avec Ludovic Ball. Les Spinaliens ont montré aux Lensois qu'ils étaient capables sur un contre en 2-3 touches de se propulser carrément devant Rudy Riou. Première alerte en tout cas pour les Lensois. Oh, c'est dommage qu'il a loupé ce contrôle. Avec Valdivia, Demian Ndiaye qui retrouve Pierrick Valdivia. L'intervention de Payot, mais ça revient sur Willian Cyprien. Le décalage de l'autre côté avec Alassane Touré. Il a le temps d'adresser un bon centre. Deuxième poteau. Recherché. Il y aura le pénalty pour le Racing Club de Lens. Faute de main dans la surface de réparation. Et il n'a pas été poussé. Alors c'est un mauvais réflexe, vraiment. Parce que le ballon était passé. Et je ne pense pas que le Lensois aurait pu la reprendre dans les bonnes conditions. On va le revoir, ce sera lenti. Centre magnifique, hein, d'Alassane Touré. Valdivia, oui. Allez, oui, il y a faute, il peut rien faire. Avec le point, il boxe ce ballon. Oh là là. Alors là. Il n'a pas pu armer sa tête. Valdivia, à lui de transformer ce penalty. À lui de confirmer son statut de meilleur buteur du Racing Club de Lens. Et Eric Sikora qui réclame également un carton pour cette main. Et regardez l'attitude d'Olivier Robin là, qui essaie de déstabiliser le tireur. Il fait toujours son toit, il garde, il met beaucoup de temps à se positionner. Alors après, il va bouger sur sa ligne. Voilà, normalement, la logique c'est ça. Voilà. À la manière d'un gardien dehors. Il y a le contre-pied réussi par le numéro 8, Lensois. Et Lens ouvre le score grâce à ce pénalty de son meilleur buteur, Pierrick Valdivia. Lens mène à 1-0. Ouais, Christophe, quand on pense qu'il y a une minute auparavant, là on le revoit, la transformation magnifique. Pied gauche, ouvert, rien à dire. Mais quand on pense qu'une minute avant, les Spinaliens avaient l'occasion d'ouvrir le score, il y a un match de foot, ça va vite, un mauvais réflexe derrière, une main volontaire et derrière, on est à la 8e minute, alors le match est définitivement lancé. La main de Victor Di Pinto, latéral. Mauvais réflexe vraiment de cette formation spinalienne. Et ça se complique là pour les joueurs de National avec Schuller qui réussit encore un joli numéro là dans l'entrejeu. Non, mais ça ne veut pas dire que ce soit un avantage de marquer un but très rapidement pour. Ça peut aussi casser un rythme. La tête de Yaya dans son. Il a glissé à l'Aïdine Yaya. Le ballon récupéré par Boubaïa et un coup franc à suivre. Attention, danger pour Rudy Riou. On va retrouver Schuller à la baguette. Oui, il s'en sort bien. Là, par contre, il s'en sort bien. Je pense pas qu'Eric Sikora doit faire le mort. Parce que là, c'est limite carton. Alors là, il reste stoïque devant le banc et il réclame rien du tout, évidemment. On revoit Xavier. L'action sur laquelle les Spinaliens ont failli marquer avec Diédiou. Et c'est là, Diédiou, ce contrôle, c'est là qu'il perd l'avantage qu'il avait. L'appel était très bon, il s'était complètement écarté. Et là, son contrôle part vers l'extérieur, ce qui laisse du temps à Rudy Riou, qui avait déjà anticipé. Bah, le ballon lui échappe un petit peu. C'est le contrôle. Alors attention, Romain Schuller, pied gauche. Oh, quel début de match, après avoir une superbe occasion de se retrouver mené au score. Schuller directement dans le mur, une deuxième possibilité peut-être pour Fauqui qui va tenter le débordement. Il faut chercher le corner si on est embêté, il faut chercher les jambes des défenseurs lensois. Il est embêté là avec le ballon, effectivement, il obtiendra une touche. Il obtiendra une touche à défaut d'avoir un corner. Allez, il va falloir emballer le rythme, faut pas cesser impressionner par cette ouverture du score. Pour les Spinaliens, il y avait hors-jeu. Ah, on avait parlé du premier quart d'heure. Effectivement, dans le jeu, dans l'entame, ils avaient été les plus dangereux. Et là, c'est une erreur individuelle. Donc là, c'est totalement regrettable. Et il ne faut pas cesser à battre par ce coup du sort. Continuer à attaquer, garder le même état d'esprit, contrer quand il le faut. Dégagement de Riou directement sur Schuller. Ballon touché du bras par le joueur d'Épinal. Il y a un coup franc à suivre pour le Racing. Vous savez, en général, c'est vrai qu'on va le voir, on va le voir jusqu'à la 30e minute. Mais quand on ouvre le score très, très rapidement, alors tout le monde dit, ça y est, le match est lancé, c'est superbe. Mais ça peut aussi être un inconvénient. Il faut surtout qu'ils appuient sur l'accélérateur, les Lensois. Le plus dur a été fait.
Ndiaye avec Valdivia, à une touche de balle, Douzgar, Pierrick Valdivia, le ballon circule bien, ça va arriver sur le côté. Le centre de Jérémy Bella, ça retombe dans les pieds de Willian Cyprien. Yaya. Avec Alassane Touré, Willian Cyprien qui déclenche, la frappe est trop croisée. Ouais, il avait peut-être l'occasion d'avancer un petit peu encore, d'armer un peu plus tard son ballon. Il avait quand même du champ, le décalage était fait. Là, il a tenté, il aurait pu avancer de 2-3 mètres. 18 ans, hein, ouais, ouais, Cyprien. Mais s'il est sur la pelouse, ça veut dire qu'il a des qualités. Donc après, c'est ça qui fait la petite différence. Dans quelques mois, il aura l'occasion de... Ben, il aurait pu faire 2 mètres de plus, voilà. Le ballon de Valdivia pour Demi Ndiaye, accroché par Victor Di Pinto. Oh, attention. Oh, il avait fait la différence, là, Demi Ndiaye. Ah, il a du mal, hein, ce début de match, Di Pinto. Oui, c'est lui hein, qui a boxé le ballon du poing hein, sur le pénalty obtenu par les Lensois. Et là, il est très en retard sur cette intervention. Ouais, Demi Ndiaye qui le prend depuis le début de ce match régulièrement de vitesse. Attention les Spinaliens, les Lensois poussent. Et un petit mot à l'oreille là, de Pierrick Valdivia, un petit mot à l'oreille de Jérémy Bella. Bah, dites-moi si cette combinaison elle est longue. Hein. Alors tu me la mets au deuxième photo. Allez, s'il le loupe avec les infos qu'il a eues, Jérémy Bella. Faut sortir, faut empêcher d'être dans les 6 mètres. Travailler, ça arrive sur Valdivia. Et la parade de Romain. Attention, Willian Cyprien qui manque sa volée. Le ballon toujours pour les Lensois avec Coef qui remet à l'entrée de la surface. Ouais. Et Jérôme Lemoyne qui n'a pas pu bien armer sa frappe là. Et quelle parade d'Olivier Robin, on le revoit. Là il est masqué, tout d'un coup il se jette. Sinon, Yaya est là pour reprendre le ballon. Superbe anticipation. Ça pousse, hein, ça pousse dans cette surface en ce moment. Sale quart d'heure pour les Spinaliens. Enfin, il y avait Alassane Touré, il y avait Jérôme Lemoyne, il y avait à la retombée du ballon. Et heureusement que Willian Cyprien a encore une fois a loupé sa reprise à 25 mètres. Ah, il faudra se souvenir de cette parade là d'Olivier Robin. Un peu submergé hein, depuis l'ouverture du score des Lensois, des Vosgiens. C'est là qu'il faut tenir, il faut serrer les dents. Et les Spinaliens crispés en début de rencontre, peut-être un petit peu impressionnés hein, par ce stade. C'est surtout que ça va vite, les Lensois ont pris le bon bout du le bon fil au niveau du match, mais beaucoup de fautes ouais. Sur Jérémy Bella. Un nouveau coup franc pour une équipe d'Épinal en difficulté dans ce premier quart d'heure, menée 1-0 grâce à un pénalty de Pierrick Valdivia. Font beaucoup de fautes hein, qui amènent effectivement le ballon dans la surface de réparation au niveau des 30-35 mètres. Là, cette fois-ci, Valdivia va s'en charger parce que lui aussi il a assez de qualité sur les coups de pied arrêtés. Yaya est dans la surface de réparation, le ballon pas suffisamment levé, derrière une frappe d'Alassane Touré sur Yaya, une nouvelle parade. Olivier Robin, le drapeau s'est élevé pour une position de hors-jeu. Ouais, mais il fallait quand même la sortir hein, cette reprise. Il est dans son match, ça y est, hein, le gardien d'Épinal. Mais en tout cas, Yaya, tout à l'heure, il était sur l'action du but. Il a failli reprendre et là, il s'était encore positionné comme un avant-centre. Un petit mot avec Fabien Tissot. Fabien, que faut-il faire pour stopper ces vagues lensoises? Parce que c'est compliqué ce début de match. Oui, il est compliqué. Malgré ça, c'est nous qui avons la première situation. Juste et puis, avant le juste avant le penalty. Et puis, sur leur premier centre, Yamin, il me semble. Voilà, après, est-ce qu'il est poussé ou pas? Je ne sais pas, mais... Voilà, on n'est pas attentif sur le coup et on est puni sur leur première incursion. Maintenant, on sait que c'est une belle équipe, hein, ça circule bien le ballon. Voilà, il faut être plus compact. Et puis on voit qu'on peut quand même se créer des situations, donc il faudra aller jouer les coups à fond. Merci beaucoup Fabien. Ludovic Ball qui n'est pas attaqué, qui va se présenter devant la surface de réparation. Le ballon est récupéré par cette équipe d'Épinal avec Boubaïa pour Foki, coup franc là, faute de Willian Cyprien, premier carton jaune. Willian Cyprien qui a du mal hein, à rentrer dans son match. Pourtant, il touche énormément de ballons. Il est souvent seul quand il reçoit le cuir. Très en retard. Oui, très en retard. Peut-être un petit
peu frustré d'avoir loupé ces deux occasions, ces deux frappes, on va dire, à 20-25 mètres. Il est évident qu'il faut rester dans l'état d'esprit qui était juste avant ce pénalty. Jouer le contre parfait. Olivier Rubin qui essaie d'alerter Diédiou. Oh, c'est bien fait de la part de Jérémy Bella qui balance loin devant vers Tousgar. La tête de Mangan. Tristan Boubaya. Qui lui aussi hein, avait été auteur contre Lyon. D'un sublime but. Attention à danger là avec la vitesse de course de Demé Ndiaye qui fait la différence devant Victor Di Pinto. Le centre d'Ndiaye, ouais. Trop long. Victor Di Pinto est en difficulté avec la vitesse de Demé Ndiaye. Ça va vite et c'est vrai qu'il doit avoir encore dans l'état d'esprit, dans sa tête, cette main qui amène le premier but de Lens. Mais à chaque fois que Demé Ndiaye part sur le côté gauche, il est vraiment en difficulté. Soit il le prend très très tôt, il l'anticipe, ou alors, mais une fois qu'il est lancé, l'attaquant lensois est difficilement arrêtable. Le ballon pour Alassane Touré. Ballon confisqué hein, pour l'instant par les Lensois. Koef avec son gardien. Il y a le temps, c'est pour ça qu'il faut pas. Il a raison Fabien Tissot, il faut rester compact, il faut rester groupé, jouer les coups en contre-attaque qu'ils ont eu comme avant le pénalty à la 7ème minute par Diédiou. Voilà Edin Yaya. Diédiou, Christophe Diédiou est certainement l'arme la plus intéressante qu'ils peuvent. Parce que tout à l'heure, quand on l'a vu, il avait fait un décalage extraordinaire. Dès qu'il va avoir le ballon, c'est là que Yaya a tout intérêt à garder un œil sur lui. Diédiou, c'est un attaquant sénégalais qui est arrivé en 2012 de Belfort, un club de CFA, et qui a marqué 6 buts dans ce parcours Coupe de France. Autant en championnat, il me semble. Et 6 en son championnat, ouais. Championnat effectivement. Pas évident parce qu'il bataille tout seul devant. Voilà le débordement d'Alassane Touré qui a fait la différence. Un centre deuxième poteau. Oui, oh, le ballon capté d'une main. C'est une Bernard Lama ça. Oui. De la part d'Olivier Robin. Ouais, Olivier Robin, il est chaud. Hein. Il n'a rien pu faire sur le pénalty, mais en tout cas, depuis. Ah, faut oser ça. Hein. Ouais. Il maintient la tête de l'eau de tous ses coéquipiers. 3 arrêts en 20 minutes. Valdivia. Ah, il souffre. Voilà, Valdivia, oui. Il a complètement manqué sa transversale. Ouais. Il y a eu un petit rebond capricieux là, hein, qui a surpris le numéro 8 Lensois. Il a fait une petite tranchée aussi. Regardez la prise de balle. Hop là. Parce que là, il y a de la colle. Hein. Il y a de la colle sur le gant. C'est pas évident. Avec Sandy Payot. Victor Di Pinto. Il essaie de centrer vers Diédiou. La belle intervention d'Alexandre Koef. Bella avec Tousgar. Transversale manquée encore une fois là. On essaie de rechercher sur le côté gauche Demé Ndiaye qui a permuté avec Jérémy Bella et le ballon n'arrive pas. Ouais. Boubaya, ça c'est bien fait. Donc pour Valentin Fauqui, le contrôle est réussi. Et il y aura une intervention encore une fois judicieuse de la part d'Alexandre Koef. Ouais, très bon début de match d'Alexandre Koef. Encore un jeune, hein, 21 ans. Un garçon qui a un avenir assez exceptionnel. Hein. C'est une des pépites du club lensois. Tousgar. Une réussite là pour l'attaquant lensois. Yoann Tousgar qui conserve ce ballon et qui peut alerter Jérémy Bella. Parce qu'il n'y a personne, de toute façon, il peut attendre. Personne dans la surface. Demé Ndiaye là qui est rentré au deuxième poteau. Les passements de jambes de Jérémy Bella avec ce centre. C'est pas possible. Et but contre son camp. Inscrit par Mangan sur ce joli débordement de Jérémy Bella. Il est surpris, le défenseur spinalien, et ça fait 2-0. Ouais, 2-0, mais Christophe, un pénalty sur une main, un but, un CSC. Ils sont pas vernis. Hein. Justement, j'étais en train de dire qu'il n'y avait pas grand monde dans la surface de réparation. Et bien là, il ne peut rien faire. Mauvais dégagement, cuisse, ballon qui rebondit sur sa cuisse et qui va directement dans le but. Alors, quel coup du sort. Oh là, c'est compliqué. Là, Olivier Robin peut absolument rien faire. Je me demande si le ballon n'a pas été effleuré par Sandy Payot et ça a surpris peut-être Mangan. Non, mais je pense que déjà il a carrément loupé son dégagement, Christophe, ouais. Même s'il avait été dévié.
En tous les cas, ça fait 2-0 pour cette équipe de Lens. Ça fait beaucoup d'erreurs individuelles, hein, défensivement, côté des Spinali. Attention, cette fois-ci, c'est bon. Avec une réaction sur le centre pour Guignou, un petit peu court là. Ah, s'il avait pu la mettre en retrait, en tout cas, quel match, hein. C'est très très vivant. C'est Sébastien Chéré là qui avait réussi voilà. Ce centre. Là, Guignou, à mon avis, fait le mauvais appel. Il doit, comme il part sur le deuxième poteau, il doit re-rentrer, s'arrêter et le centre en retrait. Lui était pratiquement obligatoire et le but aurait été grand ouvert. Un peu de précipitation sur cette action de la part des Vosgiens. Qui ont décidé de jouer quand même. Attention, parce que là, on est à 2-0. S'il s'ouvre beaucoup, ça peut faire mal. Et d'autant que le ballon circule bien, côté lensois. Ah, c'est quand même assez ahurissant en espace de 20-25 minutes. Ouais, une main volontaire, un but contre son camp. Ouais. Et on a une perte de balle. Ça fait beaucoup d'erreurs défensives. Et... 22 minutes dans ce 8e de finale, et Lens mène 2-0. Il doit être dépité, Christophe, Olivier Robin. Lui qui avait encore, il a sorti 2-3 parades hein, sur des frappes. Et là, se faire marquer des buts comme ça par son défenseur et un pénalty. Tout ça en 22 minutes. Il va falloir être costaud hein, pour résister. David Ball qui essaie d'écarter là sur Tousgar. Il va récupérer ce ballon, le latéral lensois. En retrait pour Jérémy Bella. Ah, ça passe quand même beaucoup à gauche. Hein. Côté lensois. Valdivia. Ball avec Bella. David Ball. Face à Tristan Boubaya. Il va obtenir un coup franc, le lensois. Trop de fautes, les garçons. Oui. Ouh, il va falloir faire très attention quand même. Il y a seulement 23 minutes de jeu, 2-0. Beaucoup d'énervement, beaucoup de fautes à 25-30 mètres qui occasionnent des coups de pied arrêtés qui vont directement dans la surface de réparation. Alors là, Edin Yaya est monté, comme il le fait sur tous les coups de pied arrêtés. Attention également au jeu de tête hein, de Jérôme Lemoigne, le capitaine. Valdivia qui est au premier poteau. Lemoigne, Valdivia, il y a du monde. Et c'est Jérémy Bella qui frappe ce coup franc, rentrant ce gros poteau sorti d'Olivier Robin. Ballon boxé par le gardien spinalien. Oui, il s'est fait un petit peu secouer aussi, il n'a pas été avec le pied en avant. Ils sont étouffés, les Lensois ont le monopole du ballon. C'est dur, Christophe, c'est dur. Ouais, c'est une entame idéale là, pour l'équipe de Lens qui peut faire courir l'adversaire tranquillement et placer des accélérations. Ouais, mais ils ont déjà, en 24 minutes, ouvert le score. Je crois qu'ils ont tout atterré. Ils sentent qu'ils ont vraiment la mainmise. Oula, la faute de Guignou, là, sur Valdivia. Gentil, monsieur Fautrel. Ouais, il ne veut pas non plus en rajouter, mais là, ça méritait un carton jaune. Ils sont un petit peu débordés, on va dire, les Vosgiens. Ouh, l'extérieur du pied, ça arrive sur Guignou. Tout seul. Face à Koef, le passement de jambe de Guignou qui tente sa chance, c'est contré. Et ce sera un corner. Ouais. Il y avait Schuller qui avait proposé. Là, voilà, là on voit. Mauvaise passe. Là, il accélère. Mais à chaque fois, c'était prise de balle. On a l'impression qu'il va trébucher. Ils ont quand même des occasions, ils ont l'occasion de contrer. Schuller pour frapper ce corner. La solution peut venir des coups de pied arrêtés de Schuller pour Épinal. C'est bien frappé et encore une prise de balle impeccable de Rudy Rioux. Qui joue vite en avant, c'est ce qu'il a voulu faire au début du match. Jérémy Bella oui, qui va au contact, Bella, au pressing. Qui va presser Firmin. Boubaya, la lutte avec Yaya est sanctionné. Ils sont même dans l'impact du ballon, ils sont secoués. Ils sont secoués par l'agressivité positive des Lensois. Guignou. Il est seul, Guignou, il n'a pas de solution. L'attaquant sénégalais du SA Épinal. Et on retrouve Valdivia avec le ballon. Attention à cet homme. Il va essayer d'alerter Tousgar.
Bon retour de Sandy Payot avec Tristan Boubaïa, l'ancien de Carquefou. Trop de pertes pour l'instant de ballon, ils n'arrivent pas à construire hein, au niveau du milieu de terrain. Ils veulent aller un petit peu trop vite. Ils n'arrivent pas à trouver Romain Schuller qui est en appui de Didiou. Ils sont submergés, ils ne savent pas quoi faire, mais pourtant ils ont des occasions. Ils ont l'occasion d'approcher les buts de Rudy Riou. Il faut retrouver un petit peu de sérénité. C'est vrai que quand vous commencez avec 2-0 au bout de 22 minutes, c'est compliqué. Mais jusqu'à preuve du contraire, le match n'est pas terminé. Il faut juste arrêter l'orage et l'hémorragie. Parce que s'il s'ouvre, j'ai peur que ouais, si ça baisse un peu de physiquement au milieu de terrain du côté d'Épinal, j'ai peur que ça soit la porte ouverte à beaucoup de buts. Encore une faute de Mangan sur Willan Cyprien. Il y aura carton jaune pour le défenseur spinalien. Ça commence à tomber, hein, oui. Pas que les coups, les cartons aussi. C'est là. Faut garder la tête froide. Jusqu'à la mi-temps, faut garder la tête froide. Faut plus prendre un autre but. Sinon, le match est plié. À 2-0, c'est compliqué, mais c'est pas fini. Éviter surtout ces fautes à 30-35 mètres. On doit être, à mon avis, au cinquième coup franc. On retrouve Pierrick Valdivia pour frapper ce coup de pied arrêté. Dans une ambiance magnifique, ah, oui. Ici à Bollard. J'étais en train de penser. Bon, le point de pénalty, on recherchait à Alaïdi Niaya. Il y a eu un gros duel avec Sandy Payot. Ouais, les deux joueurs sont touchés là. Yaya va reprendre sa place. Oh là là, attention Kouef. Ouais, bien joué. Avec son gardien Alexandre Kouef. Rudy Riou qui dégage directement sur Schuller. Oh, le pied en avant, la du Ludovic Ball. Il y a eu pas mal d'erreurs là sur cette séquence. Allez, c'est peut-être sur cette action, sur ce coup franc. Il faudra s'appliquer, on le revoit. Là pourtant le ballon, Rudy Riou qui loupe encore ce dégagement. Allez, petite semelle là, de Ludovic Ball, le pied en avant sur Romain Schuller. Allez, là c'est la position idéale. Centrale comme ça, face au but, axial. Ça discute hein, autour du ballon. Il y a Valentin Fonky, il y a Romain Schuller. Ouais, il va faire reculer, le mur lensois. Et là c'est compliqué pour un gardien quand vous avez un ballon dans l'axe de la surface de réparation comme ça. Un ballon axial, se positionner, c'est compliqué. Allez, il faudrait rajouter des joueurs en plus pour boucher la vue du gardien lensois. Combinaison. Là, Xavier, là, il y a deux joueurs qui vont partir chacun d'un côté. La talonnade pour Schuller. Frappe directement dans le mur et sur Alexandre Kouef. Ça fouette. Ouais, non, je pense que c'est pas Alexandre Kouef, c'est Yaya. Non, c'est Jérôme Lemoigne. Non, c'est Pierrick Valdivia. Ouais, on y arrive. Qui est touché, il a pris le ballon dans le bas-ventre. Là où ça fait très mal. Oui, quand il fait froid. Surtout quand il fait froid. Mais c'est vrai que j'avais vanté le coup de pied arrêté. Il n'est pas chanceux pour l'instant, il n'est pas en réussite. Romain Schuller. Ah, ils ont quand même ces occasions, ils se présentent devant la surface de réparation, il y a le coup de pied. On le revoit. Jérémy Bella qui fait des passements de jambes et là ouais effectivement c'est un loupé extraordinaire. Ouais, il peut se gratter la tête là, Mangan. Il a fait une grosse erreur, une grosse boulette sur ce dégagement. Là moralement faut être costaud parce que là, faut impérativement, comme on dit, dans le jargon, fermer les lourdes parce que sinon, juste arriver à la mi-temps avec ce 2-0, ça sera le moindre mal. Pierrick Valdivia qui est prêt à retrouver ses partenaires là de l'autre côté du terrain et ballon rendu au spinalien. Mais il est revenu sur la pelouse, Pierrick Valdivia. Tristan Boubaïa avec Michael Firmin. Il ne faut pas les perdre ces ballons. Il vaut mieux jouer Victor Di Pinto carrément sur la ligne que de tenter. Ils veulent se projeter trop vite vers l'avant, trouver rapidement Diédiou, trop rapidement, et le ballon est rendu à chaque fois à la défense. Ils cherchent la solution de rapidité, effectivement, il faut faire tourner, il faut casser le rythme, il faut impérativement casser l'envie des Lensois. Ouais, retrouver de la confiance, enchaîner les passes. Faire tourner tout simplement.
et attendre le beau coup pour contrer. Ils ne sont pas aussi habitués à cette ambiance parce que là, le public en soi, il fait vraiment son boulot. Ouais, ouais, son boulot. Et je peux vous dire que on les entend depuis le début de la rencontre. Boubaïa qui était passé, là oui, il a pris un coup franc pour une faute de Ludovic Ball. Il fait un bon début de match, même s'il y a un petit peu déchet technique Boubaïa, mais il est actif, il ne se cache pas, il vient chercher le ballon, aussi bien au niveau des défenseurs qu'essayer de créer quelque chose. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Et là on se déroule tranquillement avec cet avantage de 2-0. Rentrer, voilà. En retrait pour Schuller. Centre de Schuller, deuxième poteau. Le ballon boxé sur Diédiou. Ballon dégagé par la défense lensoise. Ouais, il y a peut-être. Non, il peut pas avoir de faute. Le lensois, il va directement pour prendre le ballon et il a été inattentif. On doit lui parler derrière parce que. C'est Jérémy Bella qui est touché là. Ah, il a pris la frappe du Spinalia. Il l'a prise dans les mollets. C'est Mangan. Il a frappé sur Jérémy Bella. Ça aurait été. C'était Diou. Balayage. Je pense que c'était Diou. Ouais. C'était effectivement Famara Diédiou. Ils ont quand même. Enfin, je ne sais pas, vous c'est une impression, mais ils ont quand même des situations intéressantes. Qui a tardé à dégager ce ballon. Petite explication avec Alaïdi Niaïa. Il réclamait une solution, Alexandre Koef. Ah, ça fait deux fois qu'il s'attrape même avec son gardien de but, Rudy Riou, qui n'est pas content. Un peu plus de communication. Un peu plus de concentration peut-être également du côté lensois. Le match est loin d'être gagné. Oui. Les lensois ont tout intérêt d'aller de l'avant comme ils le font depuis le début du match. Avec ici Demian Ndiaye qui peut servir dans la profondeur Tousgar. Elle est trop longue. On peut avoir l'impression quand on mène 2-0 au bout de 35 minutes. Voilà, c'est ça. Merci. Le retour, il lui demande qu'est-ce que je fais. On en fait quoi? T'en veux pas? C'est pour ça qu'il y a eu un petit accrochage après avec Rudy Riou. C'est le danger, hein, Xavier, quand on mène facilement 2-0, de se déconcentrer. On a l'impression qu'on a le match en main et qu'on domine, mais il faut. On n'est pas à l'abri d'une erreur technique. La combinaison avec Tousgar et Demian Ndiaye, le centre de Valdivia, deuxième poteau pour Jérémy Bella. La tête de Judicaël Crillon. Mais ils ont quand même, dès que Santo a accéléré les lensois, ils se trouvent en position offensive rapidement. On sent que ça va pas rester à 2-0 de toute façon, ça c'est sûr. On avait annoncé des buts. Remise en jeu d'Alassane Touré là, qui cherche une solution. On la trouve avec Willan Cyprien. Il sera touché par Jérémy Bella en dernier. Et ce sera un dégagement d'Olivier Robin. Ouais, il est évident que Eric Sicora aurait signé des deux mains, hein, à rentrer à la mi-temps pour l'instant, même ne serait-ce qu'avec 25 minutes, avoir deux buts d'avance. Les Lensois qui, sur leur dernier match, n'ont pas vraiment connu de réussite. On pense au match contre Monaco, bien sûr. On pense au match contre Angers, contre Dijon. Angers menait 1-0, il menait 1-0 à la 87e, il me semble, et se faire la perdre 2-1. À 11 contre 10. Ouais. Eric, on voit que votre équipe est bien en place et vous avez su vous faciliter ce début de match avec deux erreurs des adversaires. Enfin, deux erreurs, c'est parce qu'aussi on les provoque. Il y a du monde, il y a un centre, il y a un débordement. Après, il ne faut pas oublier qu'à 0-0, c'est eux qui ont la première situation. Il y a un arrêt de Rudy. Après, il y a un peu trop de fébrilité. Ils arrivent à trouver la profondeur, on est mal placé. Et le 2-0, il est peut-être un peu flatteur par rapport au nombre de situations qu'eux ont eues. Donc il faut être vigilant, il ne faut pas lâcher. Ouais, il y a un risque de déconcentration, parce que vous le disiez, il mène 2-0 après une vingtaine de minutes, ça peut être... Attention à Valentin Fauqui, là, qui tentait de passer devant Koef. C'est ce genre de situation où on défend en reculant, on perd un ballon, et même à 2-0 contre une équipe de nationale, on voit qu'on n'est pas à l'abri, donc il faut être vigilant, il faut continuer à jouer en étant beaucoup plus rigoureux et efficace derrière. Ça part aussi du travail de devant, mais...
même à 2-0, on sent que cette équipe-là peut revenir à 2-1. Merci beaucoup Eric. Analyse très très juste hein, de l'entraîneur. En tout cas on voit le même match, ouais. C'est vrai, on voit le même match que Eric Sikora. Il est lucide hein, Eric Sikora. Là, c'est vrai que ce score de 2-0 est peut-être un petit peu flatteur pour son équipe, même si c'est vrai que les Lensois également ont le contrôle du ballon. Attention, Demian Ndiaye pour le centre, bon, deuxième poteau. Il y avait Jérémy Bella. Ça fait deux fois que Jérémy Bella est un chouïa en retard. Allez, nouvelle chance avec Bella qui va peut-être centrer dans la surface de réparation. Choisit le retrait avec Alassane Touré. Bella. Allons par-dessus pour Demian Ndiaye. Et l'intervention de Victor Di Pinto devant l'attaquant lensois. Ouais, mais cette fois-ci, il avait loupé sa reprise Demian Ndiaye. On va le revoir sur ce ralenti. Hop, voilà. Et c'est la poitrine de Victor Di Pinto qui sauve la situation, même si Olivier Robin était présent. Ah, ça va faire des buts, c'est pas possible. Le corner de Pierrick Valdivia. Il reste au moins de 10 minutes dans cette première période. Et la défense d'Épinal, à nouveau en danger. Non, c'est frappé long avec une poussette. Ouais, au départ. Elle est énorme. Touré, il s'était pas gêné. Le dégagement d'Olivier Robin. Il est curieux ce match parce que c'est très vivant. Il y a des occasions de part et d'autre des deux équipes. Il y a déjà deux buts. Mais on a la sensation que ce n'est pas terminé, hein, Xavier. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, soit ils vont s'ouvrir, les Spinaliens vont réussir par contre à réduire le score, ou alors ils vont ouvrir et là les Lensois vont pouvoir contrer. Je serais très surpris que le score reste à 2-0. Tant mieux, hein, tant mieux pour les téléspectateurs et puis pour nous, et puis même les spectateurs à Bollard. Mais c'est un match qui est loin d'être terminé, en tout cas. On sent effectivement un petit peu de fébrilité du côté Lensois, malgré cet avantage de 2 buts, c'est étonnant. Ouais, mais ils sont limite les Spinaliens. Ils sont sur la corde raide, ils se livrent. Tristan Moubaya qui peut alerter sur le côté Chéré avec la montée de Crillon qui peut centrer, ce sera un corner. Il n'a pas eu un cadeau de la part de son coéquipier, mais il a obtenu ce qu'il pouvait de mieux, c'est-à-dire un corner. On l'a vu hein, tout à l'heure, ils se sont mis en difficulté les Lensois sur des erreurs individuelles défensivement, des mauvaises passes à 30 mètres ou même une incompréhension entre Coef et Rudy Rioux. Les caméras là, de Fred Godard qui s'attarde sur Diédiou. Ouais. C'est lui le danger numéro 1 sur les coups de pied arrêtés. Ouais, avec Yaya, je peux vous dire que. Voilà, avec ce numéro 9, le Sénégalais qui recherchait la tête de Yaya. Ouais, monsieur Fautrel avait la tête tournée. Il y avait deux joueurs à terre et l'action n'est pas terminée pour les Spinaliens. Bon match de Yaya, très, très combatif. Alors on va le voir. Là. Oui, Jérôme Lemoyne là, qui balance Sandy Payot. Elles sont chères, les places de parking. Attention. Ouais. Ils ont de la chance parce que monsieur Fautrel était en train de regarder effectivement le tireur spinalien. Le ballon récupéré par Michael Crillon. C'est perdu là avec Cyprien Valdivia. Non. Depuis 4 danger, minutes, attention à la vitesse de Juventus Gar, Sandy Payot qui prolonge sur son gardien Olivier Robin. La tête de Yaya. Diédiou et Yaya, il se livre un combat physique. Il aime ça, l'Aiding Yaya. Ah oui, oui. Il aime les duels. Ouais. Enfin, il n'a pas l'air de reculer, hein, Diédiou. Victor Di Pinto. Avec une belle intervention de Demian Ndiaye. Tous gare. Oh là là, attention si ça passe. Oh là le grand pont réussi par Demian Ndiaye. Il a levé la tête. Et Mangad qui concède le corner. Il fait mal, hein, il fait mal. Il n'est pas encore au top au niveau de la finition de la dernière passe. Mais alors, quand il arrive lancé comme ça, il déboule sur le couloir gauche. Il fait très très mal à la défense spinalienne. Ça va faire du bien à la mi-temps. Hein. Ah, c'était aux deux équipes d'ailleurs parce que. Oui, il faudrait éviter d'encaisser un troisième but là pour Épinal. Ah, là, c'est là si ça avant la mi-temps. Ça serait une catastrophe. Je pense que le match serait plié. Jérémy Bella pour frapper ce corner. On est entré dans les 5 dernières minutes. C'est frappé premier poteau et c'est repoussé par Diédiou.
Ballon qui va revenir avec Valdivia Coef. Valdivia qui est à l'entrée de la surface de réparation. Il est passé. Le ballon dévié, dégagé par Boubaya. Ça passe par. Il y a des frissons qui passent. La défense, elle est toujours limite tout à l'heure. Elle est en difficulté. Oh là là, ça va Schuller, vite aussi. Ouais. Rapide. Mais en couverture, il y a Alexandre Coef. Il faut dire qu'aussi que la première mi-temps, elle est sur un rythme très élevé. Hein. Christophe, je ne sais pas ce que vous avez comme impression, mais ouais. Il y a peu de temps mort, il y a des accrochages. C'est très vivant. Ouais. Michael Firmin, ballon sur le côté avec Chéré. Il faut changer le côté, voilà. Sandy Payot, Victor Di Pinto, tout de suite pressé par Jérémy Bella. Sandy Payot, il va rechercher la profondeur, qui va rechercher Diédiou. Alexandre Coef bien placé, qui va obtenir la touche. Ouais, mais sous le pressing de Diédiou, à lui tout seul, il leur pose pas mal de problèmes, hein, l'attaquant d'Épinal. Il se bat. Alors, est-ce qu'on l'a vu déjà contre Nantes, il avait fait un match énorme physiquement. Il va tenir parce qu'il est quand même l'homme le plus dangereux de l'attaque spinalienne. Il faut se remettre dans le rythme, les Lensois. Faut pas, voilà, il reste 3-4 minutes. Il ne faut pas tergiverser, faire tourner. Il faut voilà, faire l'appel en profondeur, c'est parfait. Avec Demé Ndiaye qui va obtenir un nouveau corner. Christophe, s'il baisse le rythme au niveau du milieu de terrain, si les Lensois se reposent sur les 2-0, ils vont être en difficulté, c'est sûr. Parce que les Spinaliens vont tout donner, hein, c'est clair. Maintenant, la pression n'est plus là, ils sont menés 2-0, de toute façon, il faut attaquer. Pierrick Valdivia pour un corner rentrant. Corner frappé bien, prise de balle en deux temps d'Olivier Robin. Frappé fort ce corner. Il n'y a pas de solution pour l'instant. Bon, il y a le temps, il y a le temps. Ludovic Ball, là, s'est débarrassé du ballon. Oui, c'est assez surprenant, il avait le temps. Et c'est récupéré dans l'entrejeu avec Sébastien Chéré. Alexandre Couef, ça fait 2-3 erreurs de concentration. Firmin. On appuie sur Diédiou, le 1-2 qui fonctionne, ouais. Avec Firmin qui a levé la tête, qui retrouve Schuller. Pas de faute sur le numéro 10, Pinalia. Qui a mis trop de temps à se situer. Valdivia, ballon n'est pas sorti. Ludovic Ball avec Jérémy Bella. Incompréhension entre Bella et Tousgar. Ils ont l'occasion, ils arrivent à chipper des ballons au milieu de terrain, les Lensois, mais par contre ils ont du mal à se projeter très très vite et en nombre, surtout devant. Il n'y a que Tousgar ou Bella qui tournent, mais ça manque de certains. On voit plus Willan Cyprien. Chéré sur le côté avec Michael Crillon. Ah, les ententes. Non, ce sera une touche pour Épinal. Il y aura deux minutes de temps additionnel, justement. Eric Sikora disait à Alexandre Coef, deux minutes encore, tiens, sois concentré. Et c'est là, il faut que ça explose. Valdivia avec Jérémy Bella. Valdivia. Ça c'est bien fait. Bella. Là, faut que ça explose. Il n'y a personne, il n'y a pas de solution. Les joueurs sont on va jouer arrêtés. Latéralement. Voilà. On va renverser sur Alassane Touré. Ouais. C'est là le petit péché mignon pour l'instant des Lensois. Demé Ndiaye, un appui sur Tousgar. Il a glissé au moment de remiser ce ballon, Johan Tousgar. Oh, il n'est pas aujourd'hui. Autant il avait fait un sublime match défensivement et offensivement, Victor Di Pinto contre Nantes. Mais là, il n'y est pas. Je pense que ça a dû le marquer moralement, psychologiquement, ce pénalty, son erreur, cette main volontaire. Depuis, il enchaîne bévue sur bévue. Souvent débordé par Demé Ndiaye. Ça allait faire du bien à la mi-temps, à Victor Di Pinto. Coef qui réclamait une solution, la trouve avec Tousgar. Willan Cyprien. Avec Jérôme Lemoigne qui va trouver Demé Ndiaye de l'autre côté. Et ce sera une touche pour les 100 et or.
s'ils ont, ils ont pas loué, ils ont pas loupé leur première période, il faudra, voilà, c'est ce que je pense que Eric Sikora à la mi-temps va leur dire, restez vigilants, parce que si vous baissez un peu la garde, c'est une équipe qui peut en venir rapidement dans, dans la rencontre. Valdivia, balle. Oui, bien joué. Voilà, c'est le triangle, Bella. C'était ouais. Bien vu avec ce ballon qui n'arrivera pas sur Jérémy Bella. Oui, mais l'idée était bonne. Il s'était arrêté, Jérémy Bella. Crayon appuie sur Schuller. Ouais. Et les Lensois vont récupérer ce ballon. Les deux minutes de temps additionnel sont écoulées. Ouais. Et Freddy Frotterel qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 2-0 pour le Racing Club de Lens. Les Lensois ont pris un gros avantage, une grosse option sur la qualif, mais Xavier, on a vraiment l'impression que le match est loin d'être terminé. Oui, moi aussi j'ai la même impression que vous, Christophe. Effectivement, c'est très vivant. Les Spinaliers ont beaucoup d'occasions. Ils ont loupé leur entame avec deux erreurs individuelles au niveau défensif, mais ils se créent quand même des occasions. Et si les Lensois ne sont pas vigilants, je reste persuadé qu'on va avoir d'autres buts en seconde période. Eh ben on va voir ça avec Pierrick Valdivia. Pierrick, vous dominez dans le jeu et au tableau d'affichage, mais attention parce qu'on voit quand même que les Vosgiens ont des occasions. Oui, c'est vrai, c'est une très belle équipe. C'est la Coupe de France, c'est ce qui fait ce charme de cette Coupe. Il n'y a pas de niveau de différence, on est tous égaux. Et voilà, il fallait entamer ce match avec un gros pressing. On l'a très bien fait, on a su marquer de suite. On a briqué avant la mi-temps, maintenant il va falloir bien reposer le quart d'heure qui arrive et repartir comme on a fait en première mi-temps. Oui, parce que vos adversaires ont raté leur entame de match. C'est quoi le risque? C'est un manque de concentration de deuxième période de votre côté? Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut surtout pas faire ça. On peut se relâcher, on peut tomber dans leur jeu et à la sortie, on va se faire avoir. Donc non, il faut remettre un deuxième coup de collier pour essayer de trouver ce troisième but et qui pourrait nous mettre en confiance et en sécurité. Merci beaucoup Pierrick. Eh oui, les Lensois ne sont pas complètement rassurés. On a le même sentiment pour tout le monde, aussi bien en haut des tribunes que sur le terrain. Ils savent qu'ils ont pris l'avantage psychologiquement et ils font une très bonne première période, mais c'est loin d'être fini. Eh oui, Lens mène 2-0, a fait une bonne partie du travail, mais il faudra confirmer au cours de la seconde période. On rappelle les buts inscrits sur pénalty par Pierrick Valdivia à la 10e minute. Et ensuite le but contre son camp du malheureux Mangan, le défenseur d'Épinal, qui a complètement manqué son dégagement. Bah oui, deux erreurs individuelles, c'est dommage parce que Olivier Robin était très très chaud au début de match. Mais bon, ça va pas pareil en seconde période, c'est pas possible. Il peut y avoir deux autres erreurs individuelles, mais moi j'ai l'impression quand même qu'ils soit ils vont s'ouvrir et soit ils vont prendre une balise malheureusement ou soit Lens va, s'ils arrivent à revenir à 2-1, je pense que Lens va être en difficulté. Il va se passer des choses encore ici au Stade Bollard. De retour au Stade Bollard pour le dernier huitième de finale de cette Coupe de France. Lens mène devant son public 2-0 contre Épinal, club de National. Alors avec une information, on vient de l'apprendre grâce à Karine Galli. Freddy Frotterel, l'arbitre, s'est blessé. Il ne reprendra pas la rencontre. Il va être remplacé par Wilfried Bien. Ouais, on l'a pas vu peut-être en... Non. Ouais. Peut-être en fin de première mi-temps sur une course, mais en tout cas, il n'avait montré aucun signe de blessure. Oui, alors les Lensois ont fait une bonne partie du travail, mais on a senti pas mal de fébrilité dans cette formation sans et hors. On va voir tout ça avec le résumé de Fred Godard. Et la première occasion, eh bien, elle sera spinalienne avec ce ballon qui va arriver sur Diédiou, eh bien, qui va manquer tout simplement son contrôle. Il va se décaler malheureusement, oui, et il va perdre son duel. Effectivement, Christophe, l'appel, il s'était complètement écarté de l'axe central. Et il avait fait un superbe appel et là c'est le contrôle au moment où il prend le ballon un petit peu avant, ça a permis à Rudy Rioux d'anticiper. Et sur l'action suivante, eh bien, il y aura cette faute de main, ballon boxé du point par Victor Di Pinto qui offre un pénalty au Lensois, pénalty indiscutable. Oui, alors, au départ on pouvait penser surtout qu'elle n'est pas très haute, c'est-à-dire qu'il peut la prendre soit à la poitrine. Et c'est Pierrick Valdivia qui transforme la sanction, il prend Olivier Robin à contre-pied pour donner l'avantage au Racing. Seulement une minute après la première occasion spinalienne. Les Lensois qui vont tenter de doubler la mise avec d'abord une première parade d'Olivier Robin. Ah, il y avait Aladine Yaya qui était là pour reprendre le ballon. Première parade, il y en aura plusieurs. Hein. Courageux sur cette intervention-là. Ouais, ouais, surtout que là, le défenseur de Lens était prêt à reprendre le ballon sans aucun problème. Jérémy Bella qui déborde, qui va multiplier les passements de jambes, centré et le dégagement complètement manqué de Mangan, le défenseur spinalien, qui marque contre son camp. Ouais, on aurait dû prévenir, c'est vrai qu'il y avait très peu de monde au début de l'action, le centre
anodin, il est loupé parce qu'il n'y a pas d'attaquant lensois. Et ah, malheureusement, un loupé magistral de Mangan qui crucifie son gardien une deuxième fois. Compliqué pour les hommes de Fabien Tizot. Même si on a entendu avec les mots de Pierrick Valduvia au micro de Karine Galli ou encore ceux d'Éric Sicora en cours de première période, oui. Eh bien, le match n'est pas gagné encore pour les Lensois. Non, il n'est pas gagné, Christophe, parce que on sent même Valduvia qui veut que l'équipe remette un coup de gaz en seconde période, parce que ces Spinaliens ont l'occasion régulièrement de se présenter devant Rudy Rioux. Le Stade Bollaert où Lens est à 45 minutes d'une qualification pour les quarts de finale. Pourquoi pas retrouver les Girondins de Bordeaux en quart de finale. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi chez nos confrères de France Télévisions. On connaît l'adversaire du vainqueur de ce dernier huitième de finale. Pour l'instant, c'est bien parti pour Lens. Oui, c'est vrai que la première mi-temps tourne en faveur des Lensois. Le match n'est pas terminé, c'est vrai, mais l'apport de ces deux buts est quand même assez évident. Et l'apport du public. On a retrouvé un public qui fait corps à âme derrière son équipe. Il faudra être costaud du côté des Spinaliens et des Lensois, surtout redémarrer sur la même entame et la même envie que la première période. Oui, rappelons que Épinal avait réussi ses deux exploits en 32e et en 16e de finale à domicile. Et c'est vrai que découvrir ce stade Bollaert, ça a peut-être impressionné les joueurs de National. Oui, l'ambiance surtout de la part du public lensois qui est vraiment exceptionnelle ce soir. Mais c'est lourd quand même sur un match aussi important d'avoir deux erreurs individuelles. Au niveau défensif, une main volontaire de Pinto et puis derrière un but de Mangan contre son camp. Pourtant ils avaient fait bonne figure sur le terrain, ils étaient bien calés, ils s'étaient proposé plusieurs solutions offensivement. Malheureusement, le sort en a voulu autrement. Première période compliquée. Mais on verra bien pour la deuxième. Il va se passer des choses de toute façon. Oui, on peut rappeler également que la première occasion du match, elle était en faveur des Italiens. C'est pour ça que le match n'est pas totalement terminé. Allez, on va attendre le retour des 22 acteurs. On vous rappelle l'information. Freddy Fautrel, l'arbitre de ce match qui avait officié à l'occasion du Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, blessé, ne va pas reprendre la rencontre. Il sera remplacé par Wilfried Bien. On va revoir à cette première occasion avec ce ballon mal conduit, la part d'Edou qui s'écarte. C'est le contrôle. Hein, la première touche est là qui perd l'avantage. Ici, là, Il n'a pas bien verrouillé son pied. Le ballon part sur l'extérieur, ce qui permet à gagner, grappiller à Rudy Rioux quelques secondes. Avant son intervention. Et on retrouvera une bonne occasion pour les Spinaliens avec ce centre fort devant la cage. Diédiou à nouveau un petit peu court. Oui, mais il revenait de 60 mètres. C'est vrai qu'il aurait dû stopper sa course et revenir en retrait pour arrêter Romain Schuller qui, lui, n'a pas été très efficace. C'est étonnant de sa part au niveau des coups de pied arrêtés. Lui qui est un vrai spécialiste. C'est encore Diédiou qui est au contact pour récupérer ce ballon-là. Le ballon qui lui reste un petit peu dans les pieds et qui loupe sa frappe. Ouais, illustration sur cette séquence de la fébrilité des Lensois. Quelques ballons en défense mal négociés qui auraient pu permettre à cette équipe d'Épinal de réduire le score. Ouais, il est évident que là, on revoit. Ça fait quand même quatre occasions que Fred Godard nous propose. Voilà, là, c'est le coup franc qui a été mal négocié aussi derrière. Mais il y a de l'espace derrière cette défense qui, de temps en temps, a des oublis. La concentration n'est pas maximale surtout Alexandre Couef qui a hésité avec Rudy Rioux plusieurs fois. Mais à l'arrivée, pour l'instant, ils ont deux buts d'avance et Lensois, mais méfiance quand même. Allez, on va retrouver Karine Galli pour peut-être de nouvelles informations concernant ce changement d'arbitre notamment. Oui, voilà, donc vous l'avez dit il y a quelques instants, ça sera Wilfried Bien, le nouvel arbitre central. Pourquoi Wilfried Bien? Parce qu'il fallait à tout prix que ça soit un arbitre central qui prenne la place. Ça pouvait être ou Monsieur Bien ou Monsieur Falcon. Le choix a été fait pour Monsieur Bien. Voilà. Voilà, puisqu'on arbitre à 5, hein, les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les autres sont des arbitres de touche, voilà, exactement. Voilà. C'est le nouveau règlement, il y a deux arbitres derrière les buts, comme en Europa League ou en Ligue des Champions. Ouais, on a inauguré cette formule-là en Coupe de France cette année. Ah bah, comme quoi ça sert. Pareil, pourtant c'est surprenant, il doit peut-être une petite contracture au niveau du mollet de la part de Freddy Fautrel. On a aperçu Pierrick Valduvia à l'échauffement. Et il sera intéressant de voir la réaction de Fabien Tissot pour voir ce qu'il a dit à la mi-temps à ses joueurs. Parce que là, c'est une drôle, de deuxième partie de match qu'il aurait proposé. On va voir s'il y a eu un petit peu. Il a peut-être été en colère. Il a dit que c'est pas possible sur un huitième de finale de faire autant d'erreurs. Qu'il y a de l'espace. Ses joueurs ont démontré qu'ils étaient capables d'aller créer du danger derrière Yaya et Couef. Et que le match n'est certainement pas terminé. Maintenant, le moindre but, hein, c'est l'épée de Damoclès
au-dessus de la tête. Il est évident que si les Lensois marquent un troisième but, ça sera certainement et sûrement terminé pour cette équipe des Vosges. Mais il faut prendre des risques. Arriver à ce stade, il faut prendre des risques en seconde période. Tenter le va-tout. Allez, les corons, ah, comme le veut la tradition. Il va falloir faire une entame de match différente que le début de rencontre. Il va falloir tout donner pour revenir. Bon, ouais, c'est ce que le coach nous a dit. Il nous a dit maintenant il faut prendre des risques parce qu'à 2-0, donc on ne perd rien. Donc il faudra prendre des risques et jouer les coups en fond. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, Famara. C'est mythique, hein. Cette chanson mythique va peut-être impressionner encore un petit peu plus les joueurs des finales. Hein. Moi, je peux vous dire que déjà, quand on est joué en première division ici, c'était un plaisir. Au-delà de du sandwich frites à la sortie, il y avait aussi à la mi-temps, quand on rentrait, cette magnifique hymne hommage à Pierre Bachelet. Je peux vous dire que ça donnait des frissons. En tout cas, Didou, Il a résumé, hein, voilà ce qu'a dit au micro de Karine. Il faut prendre des risques, il faut jouer le va-tout. Ben, pour ça, il va falloir prendre énormément de risques. Attention derrière, puisque ça va être certainement aussi l'occasion pour les Lensois. Et voilà Wilfried Brien, ouais, qui va lancer cette seconde période, le nouvel arbitre de ce huitième de finale. Faut pas qu'il se blesse, hein, parce que là... Qui remplace donc Freddy Fautrel, blessé au mollet, semble-t-il. Ouais, ça sent la contracture. Je serais curieux de voir cette entame. On va voir comment les Spinaliens vont réagir. S'ils se jettent corps et âme dans cette seconde période. Ah, ils doivent prendre des risques. Hein, ouais, mais ça, c'est vraiment. Voilà, c'est sûr qu'ils doivent prendre des risques, mais à un moment donné, ils le savent. Hein, à 3-0, ça sera fini. Le premier long ballon vers Diédio. Le duel remporté de la tête. Et Schuller lobé. Yaya peut relancer. Avec Alassane Touré. Jérémy Bella. Julian Cyprien avec son gardien. Yaya. Tuzgar qui tentait une petite talonnade là pour Julian Cyprien. Ballon pour les Spinaliens. Chéré avec Sandy Payot. Oh, attention. C'est dangereux, ouais, ce ballon de Sandy Payot là dans l'axe. Divia qui avait anticipé. Et qui va obtenir un coup franc. Voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de mésaventures. Et il n'y a eu aucun changement à la pause, mais attention parce que Pierrick Valdivia est touché à une cheville. Il est revenu sur la pelouse un peu plus tôt pour voir si ça allait tenir. Donc il pourrait y avoir un changement assez rapidement si il sent qu'il préfère sortir. Oui, Eric Sikora ne prendra pas de risque. Oui, ça c'est sûr. Avec son meilleur buteur. En tout cas, il va se charger du coup franc. La tête de Diédio. Schuller. Voilà, manque d'agressivité de Schuller. Il n'est pas bien dans son match, hein, Romain Schuller. Coef. Oh, c'est involontaire, mais attention. Ça lobe la défense avec ce ballon pour Demendiaï. L'intervention de Sandy Payot. Ouais, on fait des politesses là, en ce moment. Aussi bien du côté spinalien que Lensois, parce que le moyen avait laissé le ballon à Willan Cyprien. Boubaya avec Diagno, ça joue bien tiré, l'extérieur du pied. Et retour d'Alaïdine Yaya. Valdivia. Yaya. Coef. Mangade. Il faudrait que les attaquants Lensois viennent soutenir, pardon. Tuzgar qui a des déviations qui sont vraiment très intéressantes. On le connaît quand même, ce garçon. Plusieurs fois, il a dévié le ballon. Attention à ses erreurs. Il n'y a pas assez de soutien autour de Tuzgar. Bon pressing des Lensois avec Valdivia. La relance sur le côté pour Victor Dimpinto. Allez, c'est parti. Il a l'habitude de ces chevauches-là. Oh là là. C'est un peu loin son ballon. Ludovic Ball. En retrait.
pour Coef. Crillon. Il faut écarter là-bas sur la droite, bien joué. Un peu trop long. Ça, elle est trop long. Trop non, il va y arriver. Ah, ouais. Mais c'est bien de tenter comme ça de changer les attaques, partir sur le côté, faire des transversales, essayer de déstabiliser la défense lensoise. Il faut tout tenter de toute façon. Il reste du temps, il reste du temps. La remise en jeu de Victor Di Pinto. Il attend une solution. Dégagement de Coef, dévissé. Attention les Lensois, attention. La fébrilité ne s'installe pas au cours de cette seconde période. Un but des Vosgiens et là le match est relancé. Jouleur avec Di Pinto. Et c'est débordé, il est sanctionné, le latéral spinalien. Au départ, qu'a fait lui la première faute. Là, il retient Demi Ndiaye. Demi Ndiaye, oui. Bah, il l'a vu lui passer sous le nez tout au long de la première période. Dégagement de Rudy Riou. La tête de Boubaïa. Milan Cyprien, un appui sur Jérémy Bella. Alassane Touré qui retrouvait Jérémy Bella. Milan Cyprien en soutien. Tous gardent dans la surface de réparation. Qui conserve ce ballon avec Jérôme Lemoigne. Bah, reculé, on était dans la surface de réparation. On se retrouve derrière maintenant. Tous gardent. Alassane Touré. Lemoigne. De l'autre côté, Ludovic Ball. Oui, qu'on n'a pas trop vu, hein, côté offensif, Ludovic Ball, qui a lui l'habitude de faire des montées. Valdivia, Lemoigne. Là, c'est parti, il y a pas attaqué, Jérôme Lemoigne. En jeu. Centre, oh, le centre Ndiaye. Oh, il y avait Bella au deuxième poteau. Et la défense spinalienne qui se dégage. Ouais, j'ai eu peur que Sandy Payot passe comme son coéquipier. La mettre au fond de ses filets. Heureusement, il ne l'a pas touché. On va rechercher la profondeur seul, avec Chéré qui contrôle bien ce ballon. Le décalage pour Foki. Chéré. Ah, il faut mettre ce ballon là sur Diéniou. Il attend le centre. Foki. Allez, il faut la mettre dans la surface. On choisit l'axe avec Michael Firmin. Par-dessus pour Diéniou, la tête de Coef. C'est Ludovic Ball qui amorce la relance. Valdivia. Demi Ndiaye qui est victime d'une grosse faute là. Ah, il est pas, hein, ce soir c'est pas sa soirée. Hein. Non. Carton jaune pour Victor Di Pinto. Ouais, Victor Di Pinto, grosse difficulté. Je veux dire que Demi Ndiaye, il prend régulièrement le dessus. Ouais, on revoit ce centre et voilà. Heureusement que Sandy Payot ne dévie pas, ne touche pas le ballon. Parce que là, ça aurait pu faire des gros dégâts. Allez, il faut jouer les Lensois vite. Le Vic Ball qui accélère. Le petit centre en retrait. Le contrôle de Tousgard. Personne ne lui a parlé. Ouais, personne ne lui parle. Ça fait 2-3 fois. Il y a un manque de communication. Et Boubaïa là qui a pris un coup au passage. Alors on va le voir, est-ce que c'est un. Il marche un petit peu. Non, pour l'impression qu'il ait pris un coup, peut-être qu'il s'est tordu. Voilà. Ouais, il s'excuse, Johan Kosgar. C'était pas volontaire en tout cas. Et il va y avoir le premier changement du côté d'Éric Sicora avec l'entrée en jeu du jeune Julien Leguet et la sortie de Johan Tousgard. Ah,
Hein, qui avait mal à derrière la cuisse, qui avait pris un coup au niveau des côtes. On veut le préserver du côté du coach Lensois. Mais oui, il faut qu'il soit prêt pour lundi, évidemment, hein, sur Eurosport, le gros match contre Nantes. Il faut surtout qu'il arrête de mettre des straps parce qu'il en a au niveau du torse, il en a à la cuisse. Le ballon mal négocié là par Crillon. Relance tranquille d'Alaïd Niaïa. Tête de Lemoigne. Voilà, ça ne tourait. Bon, attention, ça va être un contre un s'il arrive à se saisir du ballon. Ouais. Non, pas de faute. Pas de faute. Allez, attention, il y a un décalage qui est fait. Avec Demian Diaye qui peut centrer fort. Et ce ballon qui traverse la surface de réparation. C'est un perpétuel danger, hein, ce garçon, quand il a le ballon, quand il est lancé. Là, le centre est très bon. L'anticipation, et personne n'y était. Il a frappé fort devant le but d'Olivier Robin. Ah, qui est applaudi aussi par le public. Hein, tout ce gars, la sortie de l'avancante Lensois. Remplacé par Julien Leguet, encore un tout jeune joueur de 18 ans. Encore un joueur formé au club. À lui, il lui reste, allez, on va dire, un peu moins de 40 minutes pour montrer aussi l'étendue de son talent. Valdivia pour le corner, frappé deuxième poteau, il y a du monde et il y a une tête de Mangane. Ouais. Attention, faut y aller, faut sortir sur lui. Premier ballon pour Julien Leguet. Allez, bonne deuxième poteau, il y aura Alaïd Niaïa. Ouais, qui a peut-être pas pu la reprendre de la tête et qui s'était jeté dans un ciseau désespéré. Mais la déviation au premier poteau, il me semble que c'est Valdivia ou Lemoigne. Et heureusement que le grand Alaïd Niaïa n'a pas pu la reprendre de la tête. Johan Tousgaard qui est entré directement au vestiaire, il va aller aux soins parce qu'il était épuisé. Oui, ouais, mais je pense qu'il n'a pas pu beaucoup s'entraîner entre lundi à Monaco. Il a dû faire que des soins. Et le match de ce soir. Alassane Touré pour la remise en jeu. Ouais, qu'est-ce qu'on attend ? Tête de Bella. Lemoigne. Met ce ballon à terre. Bella, contrée. Alassane Touré. Il ne faut pas qu'ils abandonnent le jeu, les Lensois, parce qu'on ne sait jamais, ils ne sont pas à l'abri d'une erreur. Et là, on les trouve. Voilà. Ils construisent moins. Ils sont moins présents. Attention, c'est encore un ballon perdu. Une interception. Valentin Fauqui qui va provoquer. Qui va provoquer Koef. Le tacle de Koef et un corner à suivre. Ah, il aurait pu centrer second poteau. Il y a Didiou. Il a cherché comme en première période à essayer de dribbler son adversaire. C'est dommage. Romain Schuller pour le corner. Avec le duel Yaya Diédiou. Sandy Payot qui est monté. C'est frappé premier poteau. On recherchait la tête de Boubaïa. C'est peut-être une contre-attaque là pour les Lensois avec Demian Diaye. Julien Leguet qui a manqué sa déviation. Robin. Ah, faut pas se tromper, faut pas se tromper. Bien joué, Olivier Robin. Ludovic Ball, le contrôle est réussi. Il peut accélérer là sur son côté gauche. Un retrait pour Leguet. Il faut qu'il la garde, mais il faut qu'on lui dise derrière lui. Ball n'a pas pu remettre un coup d'accélérateur. Sébastien Chéré. Payot. Di Pinto. Dans l'axe. Bien joué. Avec Michael Firmin. Il n'y a plus de pressing. Il n'y a plus de pressing sur le milieu de terrain. Il y avait une solution hein, sur la droite. Sur la gauche de l'attaque spinalienne. Ouais. Schuller. Crillon qui fait souvent les appels, qui est souvent libre. Il faut juste lever la tête et faire une transversale. Boubaïa. Ah, trop loin. Ah non, bien joué, sans ça, Boubaïa. Pour oui. Valentin Fauqui. Là, cette fois-ci, il peut centrer pour Diédiou qui a manqué son contrôle. Ouais. Elle se procure quand même des occasions. Ils arrivent à la mettre, mais il manque toujours quelque chose.
un geste technique, un peu de concentration. Les Lensois ont tout intérêt à continuer à jouer. Je suis un petit peu surpris de sa joue, ça a baissé en rythme. Et il laisse un peu les Spinaliens évoluer comme ils veulent. Goef. Ouais, le danger, c'est de s'endormir. Ouais, hein, ouais. Bah, c'est un petit peu cette impression-là. Alors, on va voir, parce qu'ils sont capables, sur une phase technique, de s'en sortir. Mais bon, ils prennent quand même pas mal de risques, même s'ils mènent 2-0. Cyprien. Ça s'est bien joué, par contre. Pour Jérémy Bella. Ouais, c'est... Voilà, Jérémy Bella, faut qu'il arrive. Ouais. Prenne de la vitesse. Il attend une solution. Il choisit un centre deuxième contre un centre trop long. 10-14. Et vous l'entendez, il va y avoir du coaching de part et d'autre du côté d'Épinal. Il va y avoir la sortie de Famara Diédou et l'entrée en jeu de Dufour. Et du côté de Lens, ça va être Sambasso qui va entrer en jeu. Et le sortant sera Cyprien. Oui, Willan Cyprien qu'on a pas trop vu ce soir. Jeanne, il a besoin de temps. Fabien Tissou qui sort son attaquant, Diédou. Peut-être qu'il le sent un petit peu émoussé. Surprenant parce qu'il avait quand même un impact physique. Il n'a pas dû être content de tout à l'heure qu'il ait loupé ce centre de son coéquipier. Il doit le sentir fatigué. Cyprien avec Alassane Touré. Il va repiquer à l'intérieur Alassane Touré. Il peut écarter avec Jérémy Bella qui rentre dans la surface. Légèrement accroché, pénalty. Il y aura un deuxième pénalty pour le Racing. Et je pense qu'il l'a accroché avec le bras, au niveau du bras. Crillon, il peut, on va voir. Fred Godard va mieux sortir le ralenti, mais il me semble qu'il est au niveau du bras qu'il l'a accroché. Et il dit que c'est en dehors de la surface. Oh non, c'est à l'intérieur, je crois. Mais la faute va commencer peut-être. Oui, de toute façon, voilà, c'est là. Il est à l'intérieur. C'est au niveau du bras. Il essaie de le déséquilibrer. C'est Judicaël Crillon qui est pris là par la vitesse de Jérémy Bella. Non, on ne peut pas. Là. En tout cas, il est à l'intérieur, ça c'est clair. Et il y a un changement finalement du côté lensois. Ça va être Pierrick Valdivia justement qui va sortir invisiblement. Il préfère préserver sa Il va attendre cheville. Certainement le pénalty. S'il est transformé à 3-0, il sort son joueur le plus important au niveau du milieu de terrain. C'est Demian Vieira qui va le frapper ce deuxième pénalty. Valdivia avait transformé le premier à la 10e minute. Demian Vieira face à Olivier Robin. Il faut le sortir. Il faut un exploit, un exploit du gardien spinalien. Oh, c'est le poteau! Un peu de réussite pour les joueurs d'Épinal. Et peut-être un signe. Ouais, peut-être un signe, peut-être un tournant. Alors on va voir si Eric Sicora il va sortir quand même Valdivia. Ou il revient sur sa première option. Non, on le voit, hein, Boitier, vous avez raison, Karine. Il va sortir. Ah, il a quand même quelque chose sur les pénaltys, Olivier Robin. Il arrive à déstabiliser complètement le tireur. Alors c'est pas académique, hein, c'est vrai, parce que... Mais alors, c'est vraiment efficace. C'est la sortie de Pierrick Valdivia, remplacé par Sambasso. Est-ce que c'est pas sur la première action qu'on l'a vu là, quand il s'est plaint de son tibia péroné. En tout début de match, Pierrick Valdivia, là aussi, Diédou s'en sort. Et l'entrée en jeu de Johan Dufour. Auteur de deux buts cette saison en championnat, un but également en Coupe de France pour le remplaçant de Diédou. Ça n'arrange pas les affaires, même s'il mène les Lensois, mais Eric Sicora, il ne doit pas non plus être très tranquille. Je dirais s'il n'est pas tranquille à 2-0. Là. Mais ben, on sent qu'il peut se passer encore plein d'événements dans ce match, des deux côtés d'ailleurs. Et Pierrick Valdivia lui aussi qui rentre directement au vestiaire pour aller se faire soigner. On espère évidemment que Tousgar et Valdivia seront aptes pour le match de lundi. Oui, Lens-Nantes, ce sera le match décalé de la prochaine journée de Ligue 2 devant les caméras d'Eurosport. Et la récupération de Sambasso avec Jérôme Lemoigne. Coef. Ça va devenir de plus en plus dur physiquement hein, pour les Spinaliens au fur et à mesure qu'on avance dans cette rencontre. Mais
il faut aller au pressing de toute façon. Il ne faut pas faire autrement. Yaya avec Willan Cyprien, la déviation qui arrive sur Sébastien Chéré. Crillon. Et Fabien Tissot qui demande à ses joueurs de multiplier les passes et surtout de jouer au sol. Ouais. On a passé l'heure de jeu, lance met toujours 2 à 0. Il faut aller chercher le ballon, c'est pas grave. Là, ils vont devoir commencer à mettre de la folie dans cette rencontre, prendre beaucoup plus de risques. Ouais, mais il y a du temps, Christophe. Il suffit de mettre un but à la 75e minute et après le match change complètement de physionomie. La pression est revenue sur les Lensois. Romain Schuller, c'est bien frappé, c'est un deuxième poteau. Ils étaient nombreux à la retombée du ballon. Ouais, ils se sont gênés. Il y avait Tristan Boubaïa notamment, il y avait Sandy Payot. Ouais, qui s'est gêné avec Mangan. La tête de Ludovic Ball avec Julien Le Guay. Le retour de Michael Firmin. Mangan. Schuller déséquilibré par Yaya. Pas de faute du défenseur lensois. Sambasso. Il faut qu'il fasse la différence. Il est frais, lui, tout seul. 7-14. Il y a faute. Allez, une bonne occasion. Alors, non, même pas. On pensait qu'il pouvait avoir faute et c'est une remise en jeu. Une touche. Saut. Touche pour les joueurs d'Épinal. Ils prennent beaucoup de risques. Hein. Ils ont abandonné le jeu au spin indien, les Lensois. Bon, vu que ça ne leur joue pas de vilain tour. Willan Cyprien sanctionné pour cette faute sur Romain Schuller. Et il va y avoir le dernier changement du côté d'Épinal. Il reste 20 minutes pour tenter le tout pour le tout. C'est ce que fait Fabien Tissot. Là. Voilà, c'est Jouffro qui va entrer en jeu à la place de Valentin Folky. Là, tant pis, il reste à peine 30 minutes. Chéré avec Boubaïa, pressé par Sambasso. Bayo. Di Pinto. S'en sort avec un premier contrôle délicat. C'est bien joué de la part du latéral. Sur le côté Folky qui centre avec la bonne intervention de Coef. Allez, corner. Il se sent un petit peu endormi, les Lensois. En tout cas, leur public, lui, depuis le début du match, il est bien présent. Il faut s'appliquer là sur ce corner, point de pénalty. Oui. Avec un coup de tête non cadré de Sandy Payot. Ah, ça se rapproche. Il joue avec le feu quand même, les nordistes. C'est Sandy Payot, ouais. Qui a pu armer cette tête et encore sur le ralenti de Fred Godin, on voit que c'est. Il me semble que c'est à Lensois. Qui avait corner. Il faut bien Tissot là qui a grillé ses trois cartouches. Ah ouais, faut pas qu'il y ait de blessure, faut pas qu'il y ait un carton rouge, mais tant pis, de toute façon il a raison. Il essaye de trouver des solutions pour aller percer la défense lensoise. Christopher Jouffro, c'est un ancien de Dijon, un jeune joueur de 20 ans. Arrivé au mois de janvier. Coef. Avec ce ballon sur Demi Ndiaye de la poitrine pour Sambasso, c'est bien fait, mais le ballon est sorti en touche. Ah, ils se sont éteints en seconde période, les Lensois. Ils ne pratiquent pas de jeu. Ils se contentent de faire tourner. Ils ont loupé un pénalty tout à l'heure. Et par contre, Cyprien qui va renverser sur Alassane Touré. Ballon mal posé avec cette intervention de Jouffro qui peut trouver du four. Ah, c'est dommage qu'il n'aurait pas remettre à son coéquipier. Il était pris là, du four au milieu de trois Lensois. Touré. Avec une touche à suivre pour les joueurs de Fabien Tissot qui les encourage là. Ils arrangent, ouais.
il sait que tout peut basculer, il suffit que son équipe réduise le score. Elle sera lensoise. On a deux périodes complètement différentes, Xavier. Beaucoup de rythme oui, oui. dans la première. Ah, oui, oui. Et là, on se regarde un petit peu. Les Spinaliens ne se livrent pas encore complètement. Oui, ils ont du mal à rentrer dans leur surface de réparation, à conclure les actions. Et puis les Lensois qui, alors on va dire, ils gèrent bien leur match, mais ils prennent beaucoup de risques quand même. Qui ont abandonné le jeu. Attention, qui va peut-être déclencher une frappe, elle passe à côté, il aurait pu servir dans la profondeur, Johan Dufour. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début de match, il aurait pu, il aurait dû. Pas assez percutant à la fin de leurs actions. On revoit un Demian Diaye dans son face-à-face avec Olivier Robin. Surtout Olivier Robin qui s'agit dans tous les sens à la mode du gardien de handball. Et qui aura réussi à perturber le tireur puisque ce ballon atterrira sur le poteau. Le Guet. Encore un ballon mal dosé, encore une mauvaise passe. Il y a beaucoup d'erreurs techniques en cette seconde période côté Lensois. Bien joué de la part de Sceaux. Qui est venu racheter l'erreur de son coéquipier. Un petit vent là qui fouette le visage, sympathique. Vous êtes gentil quand vous dites petit. C'est pas le Mistral, mais. Ouais. Vous le sentez, Christophe, alors ce petit vent là en hauteur. Légèrement. On va vous dire, Karine, pour tout vous dire. Un chouïa. On est limite la goutte au nez. Allez, un bon ballon, intéressant. Allez. Dans la profondeur, Romain Schuller qui va se présenter face à Alexandre Coeff. Il faut la sortir tout de suite. La petite talonnade, c'est bien fait. Et le centre peut-être avec un ballon qui devrait arriver dans la surface de réparation. Jouffreau là qui tergiverse. Et non. Il tarde à mettre ses ballons dans la surface de réparation, les joueurs d'Épinal. Ouais. Plus le match va avancer, plus physiquement ils vont être empruntés, ils vont être atteints. Bien fait de la part de Sandy Payot. Magnifique ambiance, ambiance dans ce stade Bollaert. Avec à peu près 15 000 spectateurs venus assister à ce huitième de finale. Et une petite réaction avec Valentin Folky. Valentin, on sent vraiment que si vous arrivez à concrétiser vos occasions, ça pourrait relancer le match à 2-1. Oui, bien sûr, tant qu'ils n'ont pas marqué le troisième but, tout est possible. On a un peu de mal à aller au bout de nos actions. J'espère que il y a encore plus d'un quart d'heure. Donc on espère bien sûr marquer ce but qui pourrait relancer complètement le match. Vous y croyez, Valentin ? Ah, bien sûr, la coupe, tout peut se passer, on y croit. Et j'ai confiance aux copains. Et je pense que si on arrive à marquer ce but, tout va changer, c'est certain. Merci beaucoup, Valentin. Deuxième poteau. Et le ballon qui ricoche sur la transversale. C'était la balle de qualification définitive là pour les Lensois. Ouais, mais ça fait deux. On le voit, le superbe corner. C'est Alassane Touré, au deuxième poteau. Alassane Touré, mais Olivier Robin lui pensait que si le ballon allait arriver sur Yaya, à sortie hasardeuse. Et là, c'est la transversale. Alors, un pénalty loupé, une transversale. Oui. Ouais. Ah, ils sont capables de marquer n'importe quand. C'est pour ça que s'ils se mettent à jouer véritablement en seconde période. Avec un tir actif, Xavier, il n'y a eu que deux changements du côté d'Épinal. Avec les entrées en jeu de Dufour et Jouffreau, il reste encore une cartouche pour Fabien Tissot. Et la dernière cartouche, justement. Ah. Attention, bien joué Sandy Payot. Ouais, bien fait, petite feinte de relance là devant Julien Le Guet. Et il choisit Schuller, la charge d'Alain Dignaya, l'arbitre laisse l'avantage. Il y aura un ballon intéressant à négocier pour Johan Dufour. Il a raté sa roulette. C'est la faute de son coéquipier, c'est à lui. Voilà, il est furieux, Fabien Tissot. Et vous en parliez, Christophe, de la dernière cartouche, elle va entrer en jeu justement. Cheikh Doucouré va entrer en jeu à la place de Boubaïa qui avait été le héros d'Épinal contre Lyon. Il avait marqué le doublé. Il n'a pas réédité ce soir.
balle avec un ballon rendu là à Victor Di Pinto, mais l'Élan se récupère tout de suite. Ouais. Et le dernier changement qui va donc intervenir au prochain arrêt de jeu. Voilà, on a fait un petit signe, on va attendre le coup franc pour insister à l'entrée en jeu de Cheikh Doucouré. Les Lensois qui choisissent de jouer court pour conserver ce ballon avec Koef. Allez, il est pas signalé en jeu. Si, quand même. En jeu, ah, oui. Jérémy Bella. J'ai eu peur. Allez, ça va vite. Boubaïa qui sort. Ouais. À l'approche du dernier quart d'heure, l'entrée en jeu de Cheikh Doucouré. Lens mène toujours 2-0. Lens qui n'a pas réussi à corser l'addition durant cette seconde période, malgré un pénalty, malgré une reprise d'Alassane Touré sur la transversale. La remise de Yaya, c'est dangereux là pour Riou. Oui. Il s'excuse à Naïdine Yaya. C'est pas un cadeau. Est-ce qu'ils ont les moyens physiques et techniques d'aller vraiment marquer? C'est vrai que ça tourne autour du pot pour ces Spinaliens, mais très peu d'occasions franches en seconde période. Autant en première période, ils sont créés des occasions, mais là, ils ont du mal, même s'ils ont, ils monopolisent un peu plus le ballon. Quoi est-ce qu'il laisse filer en sortie de but? On a parlé des trois matchs en retard hein, pour Épinal, qui va avoir un calendrier très chargé. Ouais, démentiel. Mais c'est le cas, mois de mars. Ouais, c'est le cas en national. Hein. Il y a beaucoup de matchs en retard. Il y a eu beaucoup de problèmes en national à cause du temps. 8 matchs à disputer jusqu'au 6 avril hein, pour cette équipe d'Épinal, qui va jouer sa survie dans ce championnat national. Elle est trop longue la balle de balle. Elle est bien jouée de la part. L'attaquant Lensois qui a évité le corner. Et qui va obliger les joueurs d'Épinal à faire une touche compliquée. Allez, c'est là, faut faire du pressing. Avec Mickaël Firmin. Ouais, ça sort bien. C'est retourné, c'est bien fait avec Doucouré. Mangane. Ah là, faut pas se tromper par contre. Voilà, de Demendia sur le côté, Judicaël Crillon. Ah, ça manque de justesse hein, d'Épinal là. Voilà, ils sont dans un... Ils ont un petit coup de mou depuis 5 minutes, allez. Yaya. Doucouré avec un ballon dévié de la tête là. Firmin. Il a fait un bon match aussi Firmin au milieu de terrain. Un des seuls un petit peu à surnager. Techniquement a fait des bonnes choses. Ouais, Schuller s'est bien fait la petite déviation. Sébastien Chéré de l'extérieur du pied pour Jouffreau. Et un coup de sifflet en faveur des Lensois pour cette faute sur Willad Cyprien. Ouais, on sent, ça y est, on sent qu'ils sont un petit peu moins bien, qu'ils baissent un petit peu les bras. Ils courent un petit peu dans le vide, les Spinaliens. On est entré dans le dernier quart d'heure. Ils souffrent. Lemoigne avec Ludovic Ball. Bella, la talonnade, ça a presque fonctionné là pour Ludovic Ball. Ballon récupéré par les Spinaliens avec Crillon. Longue transversale directement sur la tête d'Alexandre Koef. Jérôme Lemoigne. Alaïdi Niaya. Là, il a joué à l'expérience. Hein. Lemoigne, Yaya. Dans l'axe pour Jérôme Lemoigne, ils prennent des risques avec ce dribble manqué de Lemoigne, la frappe de Doucouré qui s'est précipité, il avait une solution sur le côté. Sébastien Chéré était seul. Oh là là, voilà, c'est ça, il manque à chaque fois quelque chose, la solution était là. Très bon pressing, il vient chercher Lemoigne dans le ballon dans les pieds et là, mais oui, Chéré était totalement seul sur la droite, il doit avancer encore un petit peu et servir son partenaire. Oh là là, ça fait beaucoup. Et beaucoup de mauvais choix durant cette seconde période.
en face, on ne sent pas une équipe de Lens qui maîtrise son sujet. Non, ils gèrent, ils prennent beaucoup de risques en gérant cette seconde période. Et oui, il n'est pas encore complètement rassuré, Eric Sikora, avec Didier Sénac là. Tant qu'il ne voit pas Despinania revenir au score, le temps est pour lui, mais il ne doit pas. C'est vrai, autant en première période, on a eu vraiment un match très vivant, et là, c'est un petit peu. Voilà. On a mis le frein à main côté Lensois. Côté Spinalien, on a du mal à rentrer dans la surface de Rudy Rioux. Lemoigne. Oui, c'était bien joué. Pour Ludovic Ball. Fin de centre. Oh, il peut servir. Il y a Lemoigne. Il déclenche parade de Romain. Et ça revient sur Willan Cyprien. Démé Ndiaye. Alassane Touré. Sambasso qui va temporiser en retrait pour Aladin Yaya, et le public n'est pas content. Yaya avec son gardien, la passe était trop appuyée de Sambasso. Il se met tout seul en danger. Il se met de la pression bêtement. Coef. Je vous imaginez en ayant loupé, enfin un pénalty, en ayant une transversale et que derrière, l'Espinania arrive à réduire le score, la fin de rencontre serait vraiment très dangereuse pour eux. Bon, attention là, ne pas jouer avec le feu, Olivier Robin, il faut dégager. Crillon. Allez, il perd ce ballon. Alassane Touré qui peut centrer derrière la cage du gardien spinalien. Et les minutes qui défilent, Lens se dirige tranquillement vers une qualification pour les quarts de finale, enfin tranquillement. On ne peut pas dire qu'on... Ouais. Pour l'instant, ils soient très en danger. Allez, en couverture, Yaya qui va protéger son gardien. Dégagement de Rioux. Tout doucettement, on va dire. Encore 12-13 minutes. Ah, ça serait le bon moment. Ça serait le bon moment pour la réduction du score de la part des Bogiens. Courait avec Schuller, Lemoigne sur la trajectoire, Yaya contré. Rioux pour Démé Ndiaye qui a pris le dessus là sur Crillon. Oh, c'est bien fait de la part de Démé Ndiaye là, ce double contact. Et derrière Alassane Touré qui perd son duel devant Jouffreau. Le 1-2 avec Schuller. Bien joué le Coef qui a anticipé. Démé Ndiaye pour la relance. Il est passé du bout du pied. Non, il aurait dû la garder. Il avait recherché dans la profondeur Julien Le Guay. Sandy Payot. Avec Chéré. Allez, il y a Victor Dipinto qui est parti là-bas sur le couloir droit. Dufour. Elle de Schuller, le ballon touché du talon par Alexandre Coef. Ouais. Sambasso, le grand pont avec Julien Le Guay, l'appel de Démé Ndiaye. Ah oh, il s'est troué, Mangan. Non, mais là-bas, c'est vrai que c'est pas de sa faute parce qu'il a cru que Mangan avait intercepté le ballon, donc il a coupé sa course. Et malheureusement. On avait annoncé des buts en seconde période. Pour l'instant, les deux équipes ne veulent pas marquer. Ah ouais, oui. On a eu un pénalty, on aurait pu en avoir un, il y a une transversale, voilà. Et là, il s'en occupait plus. Démé Ndiaye du ballon, il est cuit. De toute façon, je pense qu'il a fait un très très bon match. Lui qui dispute sa première saison hein, sous le maillot sang et or. Arrivé d'Arles-Avignon. Et une bonne relance là pour Willan Cyprien. Il faut que le saut il croise sa course. Voilà, ça va à gauche. Ça arrive sur Jérémy Bella. Cyprien attend peut-être une possibilité. Ça revient dans les pieds. Non, il est gourmand. C'est récupéré par les Spinaliens. Il a crucifié 4 de ses coéquipiers. Ouais, bien joué Lemoigne. Di Pinto avec ce ballon pour Johan Dufour. Victor Di Pinto. Sandy Payot. Firmin avec Sébastien Chéré. Ça c'est un bon ballon sur le côté pour Christopher Jouffreau. Il faut prendre des risques là, il faut provoquer, tenter quelque chose. Ouais, c'est trop peu. En ont-ils les ressources physiques, les joueurs d'Épinal? Là j'en doute, même il leur faudra un petit
coup de pouce du destin, mais là, techniquement et physiquement, ils sont empruntés. La position de hors-jeu ouais. de Christopher Jouffreau. 11-12. Ils essayent de gagner un petit peu de temps pour casser le rythme. Il reste, allez, même pas 10 minutes. Avec, il y a eu beaucoup de changements, donc il y aura 3 minutes d'arrêt de jeu, on va dire 10 minutes. Et il va y avoir justement le dernier changement du côté des Lensois avec la sortie de Ndiaye et l'entrée en jeu de Nomen Djanahary. C'est le dernier, non ? C'est le dernier. Crillon. Le retour de Jérôme Lemoigne avec Alassane Touré. Non, il faut jouer dans les pieds, Alassane. Ah, ils ont pour l'instant, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'au vu de la première période, ils avaient fait le travail. Il n'y avait plus de force côté spinadien pour aller chercher en seconde période. Une réduction du score qui aurait fait du bien et relancer le match. Alors, il reste à peine 10 minutes. Et c'est le petit malgache, Lalaina Nomen Djanahary, qui va disputer les dernières minutes de ce huitième de finale. Attention, parce que lui, ça va très, très, très vite. Firmin avec Mangan. Doucouré. Ouais, en profondeur, c'est bien joué. On va rechercher la vitesse de Johan Dufour qui avait réussi son contrôle. La frappe qui passe au-dessus. Ouais. La frappe de Christopher Jouffreau. Ouais, Dufour qui avait loupé son contrôle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait la garder, puis en fin de compte, hop, ça a servi son partenaire. Chaude alerte sur le but de Rudy Rioux. Ouh, elle passe pas loin. Ouais. Tout près de la lucarne de Rudy Rioux. Ah, ça a arrêté le bon moment hein, pour réduire le score. Ludovic Ball. Dans l'axe, Willian Cyprien. Boucouré avec Chiré. Il fait du bien le moyen au milieu de terrain depuis la sortie de Valdivia. Et premier ballon pour Nomen Djanahary avec Sambasso. Ball. Il faut lui mettre en profondeur à ce garçon. Les balles qui accélèrent. Ah oui, qui perd fort la défense. Oh ça n'arrivera pas sur Julien Legay. C'était bien joué de la part de Ludovic Ball. Jouffreau. Le tacle d'Alassane Touré, Lemoigne. Yaya. Jérôme Lemoigne qui va mettre ce ballon à terre. Legay. Bella. Touré. Il n'était pas attentif là, il a été surpris. Ah, c'est dommage. Je pense que la frappe de Jouffreau était la balle de match. Enfin, pas la balle de match, on va dire, pour relancer le match. Si elle était rentrée dans le but de Rodrigo. Je sais pas ce qu'il a fait de mieux dans son match, Alassane Touré. Il va avoir le pied froid. Non, il fait bon. Oui, légèrement. La dernière minute de ce huitième de finale, Lens qui, à moins d'une catastrophe, désormais retrouvera les Girondins de Bordeaux en quart de finale. Mais qui a géré pour l'instant, bien géré, qui a pris un peu de risque, mais qui a géré cette seconde période étouffée. Quart de finale qui aura lieu les 16 et 17 avril prochains. Et peut-être un ballon intéressant pour Chéré. La remise de Dufour qui n'a pas réussi au capitaine. Il aura manqué quand même le réalisme devant. Sébastien Chéré là dans la surface de réparation lensoise, il souffre de crampes. Le ballon qui sort en touche. Alors on peut même prévenir que c'est le petit péché mignon des Lensois de prendre beaucoup de buts en. Juste avant la fin de la rencontre, mais là, on ne voit pas comment les Spinaliens pourraient. Ils l'ont fait sur cette frappe de Jouffreau, mais ça va paraître compliqué. 5 minutes, 6 minutes encore.
glorieuse seconde période, ouais, pour ce huitième de finale. Autant la première nous avait emballé. Avec Nomand Janari, ouais, un contre-favorable pour le Malgache. Sur le côté, Alassane Touré. Avec Ludovic Ball, la transversale est réussie. Oh oui, l'appel de Sambasso, ce sera un peu long. Ouais, il y aura Sandy Payot en couverture. Une mauvaise passe de Ludovic Ball. Ludovic Ball qui voulait trouver dans la surface de réparation son capitaine Jérôme Lemoigne. Nomand Janari avec Ludovic Ball. Donc, il avait presque fait la différence. Et le pressing de Willem Cyprien. Ouais, ballon pour Julien Leguet. Ah. Et c'est repris par Mangan. Jouffro. Le grand pont. Yaya. Bien placé avec Cyprien. Coef. Entrée dans la dernière minute du temps réglementaire. Lens affrontera Bordeaux en quart de finale de la Coupe de France. Ici à Bollaert. Objectif rempli pour cette équipe lensoise qui a évité le piège d'un match à domicile et d'une élimination par un plus petit que soi. Il y aura 7 clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2 en quart de finale. Lens sera donc le petit poussé de cette Coupe de France. Et qui aura l'avantage certainement du terrain sur ce match, parce que les Girondins ont peiné face à Raon l'étape. Oui. Les tirs au but. Oui. Pour se qualifier. Lemoigne avec Sambasso. Il y a peut-être une dernière opportunité là pour les 100 et or qui font courir le ballon face à des adversaires très très fatigués. Coef. Il doit y avoir 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu. Eh bien, c'est ça, Xavier. Il y en aura 3, exactement. Ludovic Ball. Ah oui, on est rentré dans le temps additionnel. Lemoigne. Avec Sambasso. Ils ne voient plus le ballon, les joueurs d'Épinal. Ils sont un peu. Ils boivent la tasse. Ils sentent que ça y est, c'est terminé. La chance est passée. Un but à la 10e minute sur une erreur défensive et un autre derrière. Voilà. Au bout de 24 minutes, c'est trop compliqué pour aller gagner un match à l'extérieur, surtout un 8e de finale face à des Lensois qui ont attendu patiemment, qui ont fait une bonne première mi-temps et qui en seconde période sont laissés tranquillement pousser vers la qualification. Oui, Lens qui a déjà éliminé cette saison en Coupe de France un club de Ligue 1, c'était au stade des 32e de finale, ici même à Bollaert. Lens avait éliminé Rennes 2 buts à 1. Les Lensois se sont ensuite imposés contre le stade bordelais. Ah, il est hors jeu. En 16e, un club de CFA. Le stade bordelais, qui avait fait des exploits. Les Girondins prévenus, les Rennais ont chuté. Le dégagement d'Olivier Robin. Et un bon ballon de contre. Attention à la vitesse de course de Nomand Janari. S'il y va tout seul et s'il accélère. Il va y aller tout seul face à Victor Di Pinto. Ah, il a manqué son centre. Il voulait retrouver son basso. Pas pris de vitesse, Victor Di Pinto sur cette action. Quelle ambiance, hein, Christophe. Le plaisir de voir Bollaert comme ça. Hein. On a eu sur Eurosport un magnifique stade Geoffroy Guichard et on a eu donc ce stade Bollaert avec une très belle ambiance. Attention à la dernière occasion, peut-être. Ouais. Elle est contrée. Corner. Contrée par Sandy Payot. Jérémy Bella qui va prendre tout son temps pour aller frapper ce corner. Ça sera certainement la dernière occasion des Lensois. Et la joie à deux, ils vont gagner du temps. Et ben non, rebelote. Il y aura encore un dernier corner.
ça serait cruel d'en prendre un troisième but sur ça. Non, ils vont garder le ballon. Pas certain que Lensois essayer de marquer un troisième but. Ils vont garder le ballon. Voilà, ça y est, c'est terminé. Qualifié. Lens qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Lens affrontera les Girondins de Bordeaux. Au stade des quarts de finale, Lens sera le petit poussé de la compétition. Épinal quitte cette aventure Coupe de France par la grande porte dans ce stade Bollard. Des joueurs d'Épinal n'ont jamais vraiment réussi à inquiéter cette équipe lensoise. Non, c'est vrai que quand vous arrivez à prendre un but très rapidement en première période à la 10e minute sur deux erreurs individuelles qui coûtent cher à cette équipe des Vosges. Et d'ailleurs, pour courir après le score, ils n'avaient pas le physique, ils n'avaient pas la technique pour aller inquiéter les Lensois. Toutefois, il faut quand même le rendre grâce par ce fabuleux parcours. Élimination de Lyon à l'époque premier. Oui, élimination des Nantais premier à l'époque aussi. Et Nantes effectivement en 16e de finale. Et pour la première fois, Épinal a été qualifié pour les 8e de finale de cette compétition. Les joueurs de National vont pouvoir maintenant se concentrer sur le maintien. Ouais, ils ont trois matchs en retard. Allez. Et beaucoup de travail d'ici la fin de saison. Oui, ça va être compliqué. C'est vrai que ce match-là va leur laisser des regrets parce qu'ils auront l'impression d'être passés à côté. Mais maintenant, il faut penser tout de suite au championnat, essayer de récupérer des points, même si ça va être difficile. On verra bien la réaction de Fabien Tissot. On va attendre les premières réactions au micro de Karine Galli. Voilà, les Lensois ont fait le boulot. Oui, ils ont fait le boulot, exactement. C'est le terme, Christophe. Ils n'ont pas réussi leur meilleur match de la saison. Ils ont fait le travail. Non, mais c'est toujours délicat quand vous arrivez à marquer un but très très tôt. Ouais, on peut dire merci Épinal, c'est vrai, leurs supporters, même les Lensois. Près de 900 supporters d'Épinal avaient fait le déplacement. Ils ont fait le boulot, les Lensois, mais bon, se sont rendus la tâche facile, effectivement, par les erreurs de la défense finalienne. Alaa Elinaya au micro de Karine Galli. Oui, Alaa qui a pris le temps de féliciter tous les joueurs vosgiens. Alaa, vous êtes qualifié, c'est le principal, mais on a senti qu'il y avait quand même un petit manque de maîtrise, surtout en deuxième mi-temps. Vous auriez pu tuer le match. Ouais, on aurait pu tuer le match, mais après, faut pas oublier qu'on a joué lundi. En ce moment, avec les terrains difficiles et avec le peu d'effectifs qu'on a, on tire sur la corde. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un match lundi contre Nantes face à une grosse équipe. Je pense qu'après 2-0, on a commencé à dérouler. Mais on s'est retrouvé face à une bonne équipe d'Épinal qui a vraiment bien joué. Ils auraient pu balancer des longs ballons. Non, ils ont posé le jeu. Et c'est tout à leur honneur et je tenais à les féliciter pour leur parcours qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Alaa, vous êtes désormais le petit poussé dans cette Coupe de France. Vous allez recevoir Bordeaux, un gros morceau. Est-ce que c'est un vrai objectif cette Coupe de France? Vous êtes à deux matchs du Stade de France maintenant. Ouais, mais l'essentiel quand tu commences une compétition, c'est de la gagner. Au début, c'est pas un objectif. Comme tout entraîneur dit que c'est pour les joueurs, mais on s'y prête au plaisir. Au début, c'est vrai qu'on a des matchs face à des formations qui évoluent en DH. On a eu l'honneur de jouer contre Rennes et de les battre. Et maintenant, pourquoi pas battre Bordeaux. Et ça serait vraiment sympa pour ce public qui vient à chaque fois en nombre, de leur donner ce petit bonus, étant donné que je pense qu'en championnat, ça va être difficile. Merci beaucoup, Alaa. Très bonne fin de saison et on se retrouvera pour les quarts. Merci beaucoup Karine. Soir de coupe continue évidemment. On va parler de cette qualification de Lens 2-0 face à Épinal avec Olivier Dacour. C'est Karine l'a dit, Olivier, le petit poussé, oui, Lensois. Désormais pour ces quarts de finale, on connaît toutes les affiches. Lens affrontera Bordeaux le 16 ou le 17 avril prochain. Bordeaux, Olivier, vous me le disiez tout à l'heure, il n'y a pas des bons souvenirs en Coupe de France. C'est pas un très bon souvenir ce stade Bollard pour les Bordelais parce que là. Je me rappelle, je crois qu'il me semble que c'est la saison 99-2000. Ils avaient perdu contre Calais en demi-finale de Coupe de France. Et Calais s'était qualifié pour la finale, justement, contre Nantes. Donc, mauvais souvenir pour les Bordelais, ce stade Bollard. Voilà, Lens, le petit poussé. On connaît donc les quatre affiches de ces quarts de finale. Trois chocs entre clubs de Ligue 1 et ce Lens Bordeaux à suivre. De la belle ouvrage pour les Lensois sérieux avec des buts marqués à la 9e et à la 21e minute. On va se diriger vers Christophe Bureau et vers Xavier Gravelaine justement pour voir quels sont ces moments clés. Christophe, c'était pas le même froid que dans le Forez mardi? Non, c'est un froid différent. C'est le froid lensois. Xavier, ça va? Oui, très bien. Xavier était à Sochaux mardi. Xavier est à Lens ce soir. C'est pas le même froid non plus, Thomas, mais je vous rassure, c'est du froid. Allez, les deux équipes, cette image proposée par les caméras de Fred Godard. Les Lensois qui accompagnent les Spinaliens
pour saluer les supporters, magnifiques supporters lensois. Ouais. Quel public. On s'aperçoit, c'est vrai, il a raison, Yaya, il peut dire bravo à cette équipe des finales. Mais ça me laisse, la seconde période me laisse un goût amer, parce que c'est vrai que quand vous prenez deux buts comme ça sur 2-0 individuels, on s'attendait à plus de réactions. Ben, ils ont pas pu, et de toute façon la victoire est méritée du côté de Lens. Mais bravo aux Vosgiens. Les deux moments importants du match ont eu lieu en première période avec, on va le voir, hein, le pénalty obtenu après seulement 10 minutes de jeu pour un ballon boxé de la main par Victor Di Pinto sur ce centre dans la Sainte Touré ici, commet une faute évidente. Évidente, c'est surtout que, voilà, à ce moment-là de la partie, une minute avant, les Spinaliens avec Diédiou avaient une superbe occasion d'ouvrir le score et là, ils se font punir une minute derrière. Pénalty transformé par Pierrick Valdivia, le meilleur buteur lensois, qui lance parfaitement ce huitième de finale. Et le deuxième coup du sort pour les Spinaliens va intervenir à la 21e minute sur ce débordement de Jérémy Bella. Dépassement de jambe. Il n'y avait pas trop de danger. Le centre est un petit peu à l'aveugle. Là, Mangan, malheureusement, bat son Olivier Robin, son coéquipier. 2-0, deux erreurs individuelles. Ça fait beaucoup pour un huitième de finale et surtout au bout de 24 minutes. Merci messieurs, merci beaucoup à Christophe qu'on retrouvera lundi pour ce lancement de dernier match de la 27e journée de Ligue 2. Xavier Gravelaine va nous rejoindre. Un petit mot oui, au chaud. Un petit mot Karine. Oui, avec Sébastien Chéry qui a les larmes. Mais Sébastien, en tout cas, vous avez fait un magnifique parcours dans cette Coupe de France. Ouais, on a fait un beau parcours, mais justement on est déçu que ça se termine comme ça. On a commencé à prendre goût à cette compétition, on voulait aller le plus loin possible. Maintenant voilà, aujourd'hui c'était dur et on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Voilà, c'est une belle aventure qui se termine aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura d'autres. Sébastien, Ale Yaya disait il y a quelques secondes, ils ont vraiment bien joué, ils n'ont pas balancé de longs ballons devant, ils ont essayé de construire. Et vous leur avez posé des problèmes à cette équipe lensoise. On a essayé de rien changer par rapport à d'habitude. Notre style de jeu, c'est de ça, c'est de jouer au ballon au sol. Voilà, on a des petits gabarits. On a essayé de faire comme ça et de ne pas avoir de regrets à la fin du match. Maintenant, on a quand même un petit peu de regrets par rapport aux événements. Mais voilà, on s'est fait plaisir, on a donné le maximum, ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Sébastien pour ces quelques mots et vous nous avez donné beaucoup de plaisir. Merci. La forte émotion de Sébastien Chéret, on rappellera cette belle aventure des Spinaliens qui avaient éliminé Lyon et Nantes, fin de l'aventure. Nous, on va parler de cette rencontre Lens-Épinal avec Olivier Dacour, avec Olivier Robin, dans quelques secondes. À tout de suite. Soir de coupe dans le vestiaire lensois, les 100 et or qui se qualifient pour ces quarts de finale de la Coupe du Monde, de la Coupe de France 2013. Ce sera contre Bordeaux le 16 ou le 17 avril prochain. On a reconstitué le duo magique strasbourgeois. Finale de la Coupe de France 95 contre le Paris Saint-Germain. Finale malheureuse avec Olivier Dacour et Xavier Gravelaine. Ah, on est bien là. Il n'y avait pas décisif. Oui, ça va légèrement. Merci, Olive. Il n'y avait pas décisif d'Olivier Dacour pour Xavier Gravelaine à l'époque. Hein. À l'époque où il débutait sa carrière. C'était il y a 18 ans. Oui. Il a écouté les conseils et puis il a fait une grosse carrière quand même derrière. Très fier d'Olivier. Merci. Au début de Strasbourg. Très bien, Olivier Robin est avec nous, malheureux Spinalien, le gardien de but d'Épinal. Malheureux Olivier, on va le revoir, on va revoir ses deux buts et cette question étrange du geste de Victor Di Pinto. On jouait la 9e minute, on le voit sur ces images de Fred Godard. Oui, étrange, très étrange même. Très étrange, maintenant il faudra lui demander ce qui s'est passé. Après, bon, là on va pas lui jeter la pierre. Maintenant, c'est sûr qu'au bout de 10 minutes, de prendre un but comme ça, de concéder un but là-dessus, ça nous met dedans tout de suite. Quoi. C'est malheureux, mais bon. Vous verrez que c'est arrivé. Ouais, voilà, non, mais après, je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Après, vous voilà. Voulez prendre ta place peut-être, oui, peut-être. Vous lui parlez à ce moment-là? Vous criez? Je ne sais plus exactement sur le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas forcément de danger. Après, voilà, c'est un fait de jeu et ça nous fait mal. Le deuxième but. Une nouvelle fois malheureux, Xavier, cette fois-ci Mangan contre son camp. Moi, il n'y avait pas de danger sur le centre de Jérémy Bella, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Olivier avait sorti 2-3 ballons juste avant, avait fait des bons arrêts. Au bout de 24 minutes, quand vous prenez 2-0 comme ça avec deux erreurs individuelles, c'est compliqué hein, de revenir dans le match. Mais là, il ne peut absolument rien faire, Olivier. Bon, ça fait mal parce qu'on avait l'impression que bon, ça pouvait être un bel événement et sur deux erreurs individuelles, ça gâche un petit peu la partie. Olivier Dacour, quand on est le grand, le gros, a priori, 2-0 au bout de 20 minutes, on se sent fort. Au bout de 20 minutes, 2-0, le match est plié en plus.
C'est, ce qui est malheureux, c'est que c'est sur deux erreurs individuelles. Donc après, les Lensois ont géré le match tranquillement. Quelle différence, Olivier Robin, avec l'élimination de Lyon et de Nantes? Le fait de jouer à l'extérieur, tout simplement, de ne pas être porté par le public de la Colombière. Parce que, est-ce que Lens était plus fort ce soir que Lyon à l'époque, que Nantes à l'époque? Je ne sais pas s'ils étaient plus forts maintenant. C'est vrai que de jouer à l'extérieur, bon, c'était pour nous quelque chose de nouveau. Que ce soit en coupe et puis moi de jouer dans un stade plein comme à Bollard, c'est vrai que ça a peut-être perturbé aussi certains joueurs. Maintenant, bon, je pense qu'on a fait les erreurs qu'on n'a pas faites contre Lyon et contre Nantes. Donc c'est sûr qu'au bout de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de perdre 2-0, forcément, on se tire une balle dans le pied. Après, c'est compliqué de revenir, même si justement on a peut-être la première occasion. Et c'est vrai que là-dessus, si on marque les premiers, ça change tout. Maintenant, voilà, je pense qu'on peut être que fier de ce qu'on a fait. On est fiers aussi d'avoir amené quasiment, enfin, je sais pas, 700, 800 spinaliens ici. Je pense que bon, voilà, on va garder le meilleur, on va pas non plus s'arrêter là-dessus et fier d'être spinalien ce soir. Et puis voilà, forcément déçu, quoi. Oui, bah ça paraît évident. C'est vrai qu'il a résumé. C'est vrai que ce match-là, c'est un paradoxe. Quand vous êtes à 24 minutes, 2-0, deux erreurs individuelles. Juste avant le pénalty, une minute avant, vous pouvez ouvrir le score si Didiou arrive à mieux contrôler. Ça fait des faits de jeu qu'ils n'ont pas eu contre Lyon, contre domicile, Nantes. Quand tu joues à domicile. Oui, à domicile, c'est pas. Ouais, mais Bollard, c'est vrai clubs, que c'est plus un traquenard que là. Oui, mais c'est vrai que quand tu arrives, en plus, avec le public lensois qui a vraiment été exceptionnel ce soir dans un stade comme ça. Mais là, on la voit, là. L'occasion de Diou, si elle est mise, il a raison, Olivier. S'il la met au fond, c'est pas le même match. Les belles sorties, vous l'avez vu, hein, de Rudy Rioux aux côtés de Karine. Vous allez le retrouver, le portier lensois. Oui, Rudy, soirée tranquille, vous avez eu aucun arrêt à faire ce soir? Non, voilà, j'ai pas trop été sollicité. Ça veut dire que devant, l'équipe a fait le boulot et de très belle manière. On parlait avec elle il y a quelques minutes. Alors, cette Coupe de France, c'est un vrai objectif? Vous allez essayer d'aller la chercher? Maintenant, au fur et à mesure qu'on s'approche de la finale, bien sûr que ça nous fait rêver tous. Mais bon, on va quand même rester concentré sur le championnat. Aujourd'hui, on a fait des mauvais résultats dernièrement, mais rien n'est perdu. On est une dixième place qui est pas vraiment conforme à notre statut. Quand vous dites rien n'est perdu, c'est que vous croyez encore à la montée ou pas? Parce que Rick Sicora est même allé, le disait, ça va être quand même très compliqué pour aller chercher la troisième place. Ça va être compliqué, mais derrière, on sait très bien que les victoires appellent les victoires. Donc si on arrive à bien se remettre en championnat, on préparera de la meilleure des manières, le quart de finale face à Bordeaux. Oui, c'est un super quart de finale qui s'annonce. Allez, le disait, vous avez sorti Rennes, déjà un club de Ligue 1, là ça sera Bordeaux, un autre morceau. Oui, tout à fait, un autre morceau et puis un autre moment également de la compétition, à savoir que derrière, il n'y a plus que deux matchs pour arriver au Stade de France, donc pourquoi pas. Merci beaucoup Rudy et rendez-vous lundi sur Eurosport pour le match contre Nantes. Et décidément, c'est une affaire d'anciens coéquipiers, vous avez vu Eric Sicora et Olivier Dacour, partenaire à Lens en 99-2000. Je croyais que j'avais fait beaucoup de clubs, mais Olivier, c'est pas mal. T'en as fait 17, excuse-moi de te dire. 17, c'est un record. Félicitations Eric. On se facilite les choses après 20 minutes avec ces matchs qui se succèdent. Vous avez quitté malheureux lundi à Monaco. Là, la belle aventure se poursuit, Eric, parce que ça pourrait être une belle histoire dans cette saison 2013, cette Coupe de France. Oui, effectivement, il y a la qualif au bout, même si ça a été compliqué. On marque rapidement, mais il ne faut pas oublier que Épinal a la première situation et il faut une sortie de Rudy pour en attirer la situation. Et malgré le fait d'être 1-0, 2-0, on n'est pas serein. On a encore de la fébrilité. Sur 2-3 situations, on aurait pu prendre un but. Et même sur la deuxième, je pense qu'on a perdu la bataille du milieu. On s'est fait un peu bouffer. Il y a ce pénalty sur le marque. Le match, il est plié. Après, à 2-0, il n'y a toujours pas la sécurité. Et, ils nous ont mis en difficulté. Maintenant, voilà, dans un tour de Coupe de France, le principal, c'est de passer, de se qualifier. C'est ce qu'on a fait ce soir. Avec un Olivier Robin qui a eu beaucoup de travail. Olivier, on va le voir avec ses images. Il y avait la spéciale, on l'avait vécu avec Xavier lors de la qualification contre Nantes. La spéciale, Olivier Dacour, c'est un gardien de but qui bouge beaucoup sur sa ligne lors des arrêts sur pénalty. La première fois, ça n'a pas trop marché, je crois, Olivier. Non, ça n'a pas marché. Et puis, comme quoi, il faut suivre un peu son instinct. Parce qu'au dernier moment, je vois Romain Schouler qui est gaucher, qui me dit que... va changer parce qu'on savait bien. Enfin, s'il y en a 15 qui vous disent attention, c'est à droite, à gauche. C'est vrai que bon voilà, on avait vu quelques vidéos, on savait très bien. Après ça, c'est
Mais bon, c'est vrai qu'après, voilà, ça n'a pas marché. Ouais, tant pis pour nous. Mais... On s'attendait à mieux, hein, sur le premier. En tout cas, on t'a vu faire des exploits tout au long du parcours. Mais là, sur le deuxième, quelle part de réussite pour vous, Olivier? Le fait que Demen Ndiaye manque sa tentative? Aucune. Aucune, non, non. Mais non, c'est lui. Après, peut-être déstabilisé ou pas, j'en sais rien. Après, bon, je suis parti du bon côté. Justement, on avait parlé à Romain Schuller à la mi-temps, qui me disait justement comme il avait le premier pneu, il avait comment dire, sa course d'élan était plus raccourcie. Il m'a dit en principe, il la prend différemment. Donc la course d'élan de, je sais plus quel joueur qui tire le deuxième là, avait bien ouvert. Je pensais qu'il allait tirer de ce côté-là. Après, bon, voilà, je pensais que ça allait peut-être être un tournant pour nous. On a eu des situations quand même pour revenir. Même si bon, Ritiriou n'a rien à faire, mais finalement, mais on a quand même eu des situations. Vous avez pas été très dangereux quand même dans le jeu. À part la première occasion. Ouais, ouais, mais moi, je vois encore celle de Romain Schuller là, qui frappe au-dessus en deuxième mi-temps. Bon, après, c'est des situations, c'est pas non plus des grosses occasions. Maintenant, voilà, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense que, on n'y a pas cru. On a récupéré pas mal de ballons, quelques erreurs aussi défensives, justement. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc, voilà. Vous avez travaillé, Eric, les performances d'Olivier Robin sur sa ligne de but pendant les séances de tir au but? Est-ce qu'il y avait des paroles pour Pierrick Valdivia et Demen Ndiaye? Non, pas du tout. On avait travaillé les pénaux au cas où on devrait aller à la fin des prolongations, mais rien de spécial par rapport au fait qu'il y a eu deux qualifs au tour précédent contre Lyon et Nantes au pénalty. De toute façon, dans ce genre de match, on voit Nancy aller aux prolongations, on voit Bordeaux passer au pénalty, donc il n'y a plus aucun match facile. Et content de les avoir joués chez nous, parce que je pense que là-bas ça aurait été encore un peu plus compliqué. Le souci, Xavier Gravelaine, c'est que Épinal en championnat est à 12 points du premier non relégable, c'est-à-dire l'Uznac. Le souci, c'est... Ils ont 3 matchs en retard. 3 matchs en retard. Il y a beaucoup de matchs en retard dans ce championnat. Il y a le souci, c'est pas que ce groupe explose parce que l'objectif de se sauver est... Non, mais et c'est surtout. Oui, bien sûr que ça va être dur. Hein, on va pas se le cacher, Olivier. Mais il faut se servir de cette aventure au niveau de la Coupe de France pour essayer. Justement, ça va être des matchs de coupe, hein, des matchs en retard. Ça va être un peu compliqué parce que ça est allé. Il y a beaucoup de matchs jusqu'au, il me semble, 8. En mars. Donc ça va être compliqué. Et effectivement, il faut les entamer, avoir se projeter de la même manière qu'ils se sont projetés sur leur parcours de Coupe de France. Ça va être compliqué, mais le football crée des surprises. Ils ont fait un beau parcours. Pourquoi un championnat, ils ne pourraient pas, sur les matchs en retard, se refaire la cerise? Dadou, lui, oui, voilà. L'écart, c'est terminé. Le trophée s'en va. Olivier, même question. Je sais que vous n'avez pas connu ça, des clubs en difficulté au bord du gouffre. Mais le souci, c'est que... J'ai connu Lens. Non, c'était une superbe saison. Bah, on était dernier à la mi-saison, donc... On était pas mal barré, même, on a fait une deuxième. Mais il a été transféré, c'est pour ça que ça a été mieux après. Il arrive à la trêve, il a mis 6 mois pour. voilà, c'est ça, c'est le championnat français. Il y avait un double effet qui se coule, quoi. Karine est avec Sandy Payot. Oui, Sandy qui sourit comme ce qui retrouve quelques coéquipiers, donc il est assez content. On parlera du match dans quelques instants, évidemment. Ouais, j'ai retrouvé Pierrick Valdivien qui était formé avec moi à Lyon, et puis Daniel Moreira qui joue à Grenoble, donc ça fait plaisir de les voir, ça faisait longtemps, donc voilà, malgré la défaite. Alors justement, Sandy, ce match, il y avait votre capitaine il y a quelques minutes, il était en pleurs parce qu'il se disait on est passé à côté d'un rêve, on est passé un petit peu à côté de notre match. Ouais, c'est sûr qu'on a on perd 2-0 rapidement, donc contre une équipe comme Lens, après, c'est difficile de faire quelque chose. On a eu des situations, on a récupéré des ballons, on aurait pu mieux gérer des offensives. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Et après, eux, ils ont quand même géré. Donc, c'était difficile pour nous. Quel souvenir vous allez garder de cette Coupe de France? Parce qu'il y a eu des moments magiques, évidemment. Ouais, on va garder Lyon en 32e, Nantes en 16e. C'est vrai qu'on a éliminé des grosses écuries. Donc, on est très fiers. On aurait aimé aller plus loin, bien sûr. Mais bon, ce soir, c'était un peu juste pour nous, quoi. Sandy, maintenant, il va falloir retourner au National avec une 19e place qui est très compliquée. Ça va être dur aussi de se remobiliser après le match de ce soir? Oui, non. On sait que depuis le début, le championnat, c'est le plus important, même si la Coupe, c'est aussi une vitrine pour nous. Donc voilà, mais maintenant, c'est sûr que le championnat, on n'a jamais abandonné le championnat. On va essayer de se maintenir, même si on a beaucoup de retard. On va travailler tout chaque semaine pour essayer de te maintenir, et on verra comment ça ira. Merci beaucoup, Sandy, et bonne fin de saison. Merci. Merci à Sandy Payot, Olivier Dacour. Il y aura de belles retrouvailles sur le banc lors du quart de finale Lens-Bordeaux. Ça va être même un petit peu compliqué. Le retour de Francis Gillot à Bollard.
Eric Sikora, ancien adjoint. Son assistant. Oh lui. Ouais, effectivement, j'étais comme Didier Sénac aussi, on était avec Francis pendant un an et demi. J'ai appris énormément à ses côtés, donc c'est vrai que ça va être un match spécial. Content de le retrouver, on sera content peut-être de l'éliminer, mais en tout cas ça va être un match compliqué, même si les Bordelais ont une série de matchs là, je crois qu'on avait discuté avec Francis, 10 matchs en un mois. C'est un quart de finale avec plus que deux matchs pour aller à Paris, donc ça va être surtout voir si l'élève a dépassé le maître. C'est pour ça il veut pas le dire, mais bon. Non. Tu demandes conseil de temps en temps. Mais on s'appelle hein, avant de prendre l'équipe en main. Je l'avais appelé pour discuter avec lui. Et il m'avait aidé à ce niveau-là, donc comme Laurent Houchard, à qui j'ai une discussion, et puis mon épouse. Mais c'est vrai que Francis, pour moi, est quelqu'un de très important. Et je suis hyper content de le rencontrer sur un terrain en tant que coach. Cette fois-ci, vous allez l'appeler la veille ou le matin même du match ? Oui, il allait lui demander la composition. C'est ça, justement. Ils vont se donner les compositions comme ils sont copains. Ils vont se donner les compositions le matin. Non, mais hier soir, après le tirage, on ne s'est pas envoyé de texto parce qu'il n'y avait rien de fait. On l'a encore vu ce soir. Ça a été une qualification difficile. Et je pense que lui aussi, il sortait de son match, un match hyper difficile. Ouais, mais bon, le tout, c'est de passer. Il est passé. Ça a été compliqué aussi au match précédent. Voilà, il y a que la qualif qui compte et on sera heureux de recevoir Bordeaux et de faire le maximum. On avait réussi à éliminer Rennes ici à Bollaert. Je pense que là, contre Bordeaux, il va peut-être y avoir 25-30 000 spectateurs. Ouais. Ça fait plaisir de revoir Bollaert. Hein, ouais, mais même ce soir, effectivement, ils ont été vraiment très importants. Cette ambiance, enfin, on voit les écharpes, les chants, les couleurs. C'est vrai que c'est extraordinaire. Et un club comme Lens, un public fabuleux, merveilleux, malgré les difficultés qu'on rencontre en ce moment. Mais en tout cas, on relève la tête, on progresse, on avance. Et cette place en quart de finale va nous permettre aussi de rester concentrés en championnat. Et même si aujourd'hui on est à 11 points, le maintien n'est toujours pas assuré. On fait des belles choses, mais il faut qu'on soit plus rigoureux et plus agressif. Plus déterminé, comme on a pu le voir ce soir en deuxième mi-temps. On a un peu souffert, mais c'est vrai qu'il y avait le match de Monaco aussi de lundi dans les jambes. Il y a pas mal de casses ce soir. Là, on va essayer de bien récupérer parce qu'il y a un match qui arrive déjà lundi et encore sur la chaîne d'Eurosport. Sur Eurosport, oui, lundi, Lens-Nantes, oui. Non. On vit ici. Merci beaucoup, Olivier Robin, qu'on va libérer. On va marquer une pause. Olivier qui a récupéré un maillot lensois. Merci beaucoup, Olivier. Bravo. Merci, bravo, bonne chance. Si je peux me permettre, j'appelle tous les Spinaliens à venir dimanche au stade. Il y a un derby qui s'annonce contre Metz. Donc, ça serait bien aussi que le stade se remplisse pour ce derby. Et puis, voilà, de toute façon, le championnat, c'est. La coupe, c'est fini. Le championnat, c'est dès dimanche. Donc, j'espère qu'il y aura du monde au stade. Ouais. Dimanche, 16h30. Coup d'envoi, ce sera à la Colombière à Épinal, Metz. On revient très vite ici à Bollaert avec Eric Sikora. A tout de suite. Soir de coupe, nous sommes de retour avec la qualification lensoise pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera contre Bordeaux avec Eric Sikora, avec Xavier Gravelaine, Olivier Dacour et Fabien Tissot, l'entraîneur d'Épinal qui nous a rejoint. Eric, un mot sur cette équipe d'Épinal. J'allais dire qu'il ne vous a pas non plus compliqué la tâche. C'est vous qui vous l'êtes rendu facile en fait. Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la première situation c'est eux qui l'ont. Hein. C'est un contre un avec le gardien et c'est Rudy qui sort comme il faut. Pour rester à 0-0. Après, on met de la pression. Bon, même si c'est sur pénalty, il y a une main. Après, c'est un CSC, mais il y a du monde dans la surface, il y a un centre. Mais malgré tout, à 2-0, il n'y avait rien de fait. On a été un peu fébrile. Il y a eu des ballons en profondeur qu'on a mal négociés. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont eu la maîtrise, même s'ils n'ont pas d'occasion nette, mais ils nous ont un peu bouffé au milieu. Vous avez arrêté de jouer, tout simplement. Ça a été compliqué. Ouais. Non, je ne pense pas qu'on soit arrêté de jouer. Je crois que c'est eux qui nous ont mis en difficulté. Et à la mi-temps, déjà, on avait deux ou trois joueurs sur lesquels, au niveau musculaire, ça commençait un peu à tirer. Et ça s'est pas arrangé en deuxième mi-temps. On perd très vite Yotusguer, on perd Pierrick Valdivia. Un peu moins de maîtrise au milieu. Un mec qui garde un peu moins les ballons devant. Et la différence, elle se fait là aussi. Et après, il y a Yaya Koef qui, pareil, au niveau de cette situation-là, qui au niveau musculaire était pas trop bien, donc on a essayé de gérer. On est qualifié, ce que j'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'on joue chez nous, parce que là-bas ça aurait été une autre paire de manches. Et ce que j'ai dit à un de leurs joueurs sur le terrain, je comprends pas qu'avec la qualité du match et la qualité des joueurs aussi, ils soient à cette avant-dernière place en championnat, mais c'est peut-être un championnat qui est aussi compliqué, difficile. Très difficile, ouais, et même si aujourd'hui il y a des matchs de retard, c'est jamais évident, mais...
S'ils ont cet état d'esprit-là, s'ils gardent cette qualité de jeu, je ne vois pas pourquoi ils ne s'en sortiraient pas. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Merci beaucoup Eric, en tout cas, à lundi pour ce match contre Nantes, dernier match de la 27e journée. Okay. Oui, il y a de l'espoir, Fabien Tissot. Merci Eric. Merci beaucoup. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, forcément. Avec Didier Dumas, Didier, vous me disiez, on a un petit peu perdu le fil. Ben, on a eu une entame de match un petit peu difficile, laborieuse. Bon, on réussit à ouvrir le score contre le cours du jeu. On aurait pu être mené au score 1-0 d'ailleurs. Et puis, bon, à la mi-temps, on pensait que ça allait être plié. On a cette occasion sur le pénalty d'aggraver le score, chose qu'on ne fait pas. Et puis après, on se fait peur jusqu'à la fin. On savait que si les Spinaliens marquaient un but, on aurait souffert. Donc,